m'entendez mieux là ? Ça va ? Bon. Donc je disais que, conformément au règlement intérieur, je propose de désigner le Benjamin de l'Assemblée, c'est-à-dire Florent Vandenabel, comme secrétaire de séance. Y a-t-il une opposition à cela ? Bien, donc je vous laisse procéder à l'appel nominal. C'est bon ? Gauthier Anthony. Présent. Galie Brigitte. Devillet Arnaud. Lefèvre Gaël. Lefèvre Nicolas. Thibault Céline. Devienne Gilles. Costenoble Aurélie. Verward Damien. Spatola Sophie. Legroix Christophe. Loridan Evelyne. Grand-Genèvre Pierre. Vandenberg Marjorie. Bécu Denis. Legrand Michel. Soa Benjamin. Duré Laurence. Delangue Géry. Charpentier Mathilde. Vandenabel Florent présent. Winkel Sabrina. Beaufromet Aurélien. Présent. Couture Valérie. Présente. Furlan Emmanuel. Deneuche Marc. Présent. Malaisis Sébastien. Son. Bochard Nathalie. Deca Joël. Présent. Crépel Bénédicte. De Planck Maxime. Anote Josie. Voilà, monsieur le maire. Bien, merci. Donc, bonjour à tous et à tous. Je suis très heureux de vous accueillir ici dans l'hôtel de ville. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux élus qui découvrent cette salle du conseil municipal. Également aux élus de l'opposition. Je souhaite la bienvenue à toutes et tous. Je voudrais d'ores et déjà vous annoncer de la démission de trois élus de la liste de Fiers de faire vivre Bailleul, Monsieur Bernard Eman, Madame Colette Huss et Madame Anne Van Lerberg. Donc je voudrais, en tant que maire de Bailleul, les remercier pour leur implication au service des Bailleuloises et des Bailleulois et dire que, évidemment, ces démissions ont été notifiés au sous-préfet et donc nous avons sollicité, conformément au code électoral, eh bien, les trois suivants de la liste de Fiers de faire vivre Bailleul, que sont Sébastien Malaisis, donc Nathalie Bochard et Michel Ostoschki. Donc j'ai appris hier le refus de Michel Ostoschki de siéger au conseil municipal, donc j'en ai informé le sous-préfet. Et par conséquent, le suivant de la liste de M. Deneuche sera sollicité pour lui proposer d'intégrer le conseil municipal. Je voudrais aussi saluer, évidemment, la presse qui est présente pour couvrir ce conseil municipal. Saluer aussi les nombreux Bailleulois qui nous suivent via les réseaux sociaux, puisque vous savez que c'était l'un des engagements que j'avais pris pendant la campagne, qui consistait à retransmettre en direct sur Facebook l'ensemble de nos débats. C'est ce que nous faisons dès aujourd'hui. Nous avons d'ailleurs commencé à le faire lors du conseil municipal d'installation. Et puis saluer le public qui est présent, dans le respect évidemment des règles sanitaires. Nous avons dû limiter l'accueil du public à 20 personnes pour justement respecter toutes les conditions sanitaires. Et ça me permet de faire le lien avec le Covid-19. On a aujourd'hui une évolution inquiétante de la pandémie qui m'a obligé à prendre un arrêté pour contraindre au port du masque sur les marchés, donc le marché du mardi matin et le marché du jeudi soir.
Je souhaite également dire aux Bailloises et à Baillois qui le souhaitent que des masques sont toujours à disposition à l'hôtel de ville, donc ils peuvent se déplacer pour évidemment récupérer autant de masques qu'ils le souhaitent. Et puis dire que par rapport à cet arrêté, moi je considère que chacun a une grosse responsabilité par rapport à la maîtrise de cette pandémie. Moi je fais confiance aux Bailleulois pour le respect de toutes ces règles sanitaires. Et puis de façon plus globale, à moyen terme, j'ai dès maintenant demandé à Pierre Grandgenèvre, donc qui est l'adjoint délégué à la santé, aux solidarités, à l'action sociale et au logement, de se saisir de la question de l'adaptation des services municipaux à un éventuel contexte de recrudescence de l'épidémie. Pierre Grandgenèvre, qui est donc médecin psychiatre au CHU de Lille et qui est coordinateur des cellules de crise lorsque des événements comme une épidémie surviennent. Et donc moi, ce que je souhaite, c'est que nous puissions être dans une démarche d'action de façon à ce que, si jamais les événements sanitaires n'évoluent pas eh bien, comme nous pourrions l'espérer, eh bien, les services municipaux soient immédiatement adaptés à ce genre de situation. Je voudrais également maintenant rendre hommage à une figure de Bailleul qui nous a malheureusement quittés le 22 juillet dernier. C'est M. Jacques Rigaud. Je pense que nous l'avons toutes et tous au moins croisé une fois dans les rues de Bailleul, notamment la rue d'Occident. Moi, je me souviens que la dernière fois que j'avais croisé, c'était justement rue d'Occident avec sa canne. Il y passait, je pense, tous les matins. C'était un homme engagé, un homme charismatique, un homme dévoué, qui a toujours été un fidèle supporter du Sporting Club Bailleulois, puisque, de façon totalement transparente, lorsque je jouais au foot au Sporting Club Bailleulois, dès l'âge de 8 ans, eh bien, M. Jacques Rigaud était déjà autour du terrain, avec mon grand-père, Albert Gauthier. Donc moi, aujourd'hui, j'ai une pensée très forte pour son épouse, Gisèle, pour ses enfants, Jean-François, Jean-Philippe et Catherine, et pour ses petits-enfants. Et donc, au nom du conseil municipal, je leur adresse mes plus sincères condoléances. De façon un peu plus joyeuse, je vais évoquer maintenant quelques sujets d'actualité. Le premier concerne les accueils collectifs de mineurs, les centres de loisirs. Vous savez que nous avons pris une première décision lors du conseil municipal d'installation du 3 juillet dernier qui consistait à augmenter immédiatement la capacité d'accueil des centres de loisirs pour la porter de 150 à au moins 300 enfants. Nous avons avec cette démarche répondu à une attente forte des familles puisque aujourd'hui nous montons sur les accueils collectifs de mineurs du mois de juillet à 338 inscriptions et pour les accueils collectifs de mineurs du mois d'août à 238 inscriptions. Donc cela montre que la décision que nous avons prise à l'unanimité lors du précédent conseil municipal était une réponse aux attentes des familles et je m'en réjouis. Vous dire également que dans ces centres de loisirs 2020, nous accueillons également les enfants du centre d'accueil des demandeurs d'asile. Ça a été une demande qui a été formulée à laquelle j'ai souhaité évidemment répondre de façon positive parce que j'ai toujours considéré que pour les enfants qui vivent au centre d'accueil, plutôt que de passer leur journée sur un parking face à l'autoroute, moi je trouve que la force d'une ville comme Bailleul, c'est de leur permettre d'avoir des activités de loisirs de qualité en lien au quotidien avec les enfants bailleulois. Voilà. Donc, je pense que c'est une décision aussi dont je voulais vous faire part et qui honore la qualité de solidarité, de bienveillance qui anime notre ville de Bailleul. Autre sujet, la CCFI. Vous l'avez suivi, le nouvel exécutif de la CCFI a été élu le 13 juillet dernier. Et je pense que nous pouvons tous nous réjouir de la place que Bailleul retrouve au sein de la CCFI, puisque
Nous avons désormais deux vice-présidences qui sont dédiées à la ville de Bailleul. J'ai la chance d'avoir eu la deuxième vice-présidence aux mobilités, au plan vélo et au plan de relance durable du territoire, qui est évidemment un sujet d'actualité au cœur de l'engagement que nous avons pu porter, du moins la liste bailloise-bailleulois, et je pense qu'il y avait d'autres listes aussi dans la campagne. Et puis dire aussi que mon collègue premier adjoint Christophe Legroix sera également le vice-président délégué à la mutualisation des services et à la gestion du patrimoine. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est évidemment de rattraper ces 6 années au cours desquelles le partenariat avec la CCFI n'a pas forcément été très, très positif. Et l'objectif, c'est de permettre de porter cette solidarité intercommunale avec des projets forts liés à des délégations qui, aujourd'hui, ont vocation à faire rayonner l'ensemble du territoire. Deux autres sujets maintenant d'actualité qui concernent l'urbanisme. Alors je vous avoue que depuis ma prise de responsabilité le 3 juillet dernier, je découvre au fur et à mesure des dossiers qui sont portés à ma connaissance et qui ne sont pas forcément très, très réjouissants. L'un des premiers sujets d'urbanisme concerne l'ancien Carrefour Market de la rue du Four. Pour vous dire de façon très claire qu'un permis de construire avait été déposé pour un projet dont on voit les contours sur la diapo qui vous est présentée, un projet de logement. Et bien aujourd'hui, je voulais vous informer que j'ai décidé de refuser ce permis de construire, puisque nous sommes dans une zone qui contient un périmètre en attente d'un projet d'aménagement. Et moi, je souhaite que le futur projet qui sera porté sur cette emprise foncière le soit de façon concertée avec la ville. Aujourd'hui, le souhait de la nouvelle municipalité ne consiste pas à bétonner partout de façon très claire, et je pense que sur ce genre de projet, l'objectif, c'est évidemment de porter un regard partagé avec les riverains, avec le développement global de la ville et avec la municipalité. Donc évidemment, la décision peut faire l'objet d'un recours, mais je pensais important de porter cette information à votre connaissance. Autre sujet que j'ai eu la surprise de découvrir, c'est un projet d'implantation d'une antenne relais à la crèche. Donc c'est un projet qui est arrivé en mairie le 17 avril et qui a été porté à ma connaissance il y a quelques jours. Évidemment, c'est un projet qui est porté par une société de télécommunications. Sachez également que j'ai opposé un refus au projet pour des questions sanitaires, parce qu'aujourd'hui, rien ne me permet d'assurer qu'il n'y a aucun impact sanitaire sur les riverains et également sur l'école Bruegel qui est à proximité. Et donc, moi, j'ai utilisé l'article R111-2 du Code de l'urbanisme qui permet, à partir de ces constats, et bien d'opposer un refus sur ce projet d'implantation d'une antenne de télécommunication. Donc encore une fois, la décision peut faire l'objet d'un recours, mais je trouverais aussi essentiel que vous puissiez être informé de cette décision. Et avant maintenant d'entrer dans l'ordre du jour, dont une partie, vous le savez, sera essentiellement consacrée au budget, je voudrais accueillir à ma gauche, ce ne sont pas de nouveaux élus, pas pour l'instant du moins. J'ai la chance d'accueillir Madame Nelly Lecor, qui est inspectrice principale de la direction des finances publiques de Bailleul, et puis son adjoint, qui est également inspecteur au centre des finances publiques de Bailleul, Monsieur Yvan Léglise. Donc je vous remercie d'avoir accepté mon invitation, puisque j'ai souhaité vous proposer de faire un état de la gestion de la ville sur les dernières années, une perspective budgétaire aussi sur donc les derniers exercices. Et puis, sur ce sujet, avant de vous donner la parole, je voulais également vous informer que la Chambre régionale des comptes a décidé de lancer une enquête sur la gestion des comptes de la ville sur la période 2014-2020. Donc je pense qu'aujourd'hui,
ça fera l'objet de pas mal d'échanges de ce soir. Nous pouvons nous réjouir d'avoir la Chambre régionale des comptes qui se saisit de ce dossier, en sachant que bon, la temporalité, elle est ce qu'elle est. En toute transparence, il était prévu que cette enquête soit lancée dès janvier 2020, mais la période de crise sanitaire a retardé le début de cette enquête. Donc elle a été lancée il y a quelques jours. J'ai reçu les deux magistrates à l'hôtel de ville. Et donc les conclusions seront portées au sein de notre assemblée d'ici 8 mois, si tout va bien. Donc voilà, on aura évidemment un regard éclairé et neutre sur la façon dont les finances de la ville ont été gérées de 2014 à 2020. Donc vous avez les deux anciens maires en activité sur cette période qui ont été sollicités, donc M. Giloun sur la période de janvier à mars 2014, M. Deneuche sur la période de mars 2014 à juin 2020, et puis moi-même en tant que maire en exercice. Alors, je vous propose maintenant de prendre l'ordre du jour qui a été un peu modifié de façon à ce que l'on puisse aborder les questions liées aux finances municipales et au budget bien dès le début de la séance, puisque je réponds à une demande de M. Deca qui devra nous quitter à 19h. Donc moi j'ai souhaité que M. Deca puisse évidemment participer au débat. Donc je vous propose de modifier l'ordre du jour en sachant que les délibérations qui vous ont été remises sur table, il y a deux délibérations qui sont retirées. Ça a été présenté en commission. Ça a été déjà abordé en commission préparatoire, mais l'objectif, c'est qu'on vous présente des délibérations qui sont complètement finalisées. Et je trouvais que ces deux délibérations n'avaient pas vocation à être présentées aujourd'hui parce qu'elles méritaient davantage d'expertise. La délibération sur la compensation pour pertes financières des élus municipaux. Et l'autre délibération qui est retirée de l'ordre du jour, c'est celle qui concerne l'amortissement aux dotations, puisque c'était l'une des perspectives de diminution du déséquilibre en section de fonctionnement sur lequel on reviendra tout à l'heure. Et je pense que dans ce cas-là, elles n'ont pas vocation à être abordées aujourd'hui. Donc je vous propose de retirer ces deux délibérations de l'ordre du jour. Vous dire également que nous avons juste changé la forme de la délibération concernant le lancement d'appels d'offres européens pour le transport collectif. Donc on a simplement changé le nom et modifié à l'intérieur la reconduction du contrat qui était initialement prévu de façon tacite, mais qui désormais sera prévu à l'initiative de l'autorité territoriale, donc du maire. Et puis sachez également qu'il y avait une erreur dans la délibération qui concernait le rapport d'orientation budgétaire, puisque vous aviez sur la ligne indemnité aux élus, je sais que Mme Crépel en a fait la remarque il y a quelques minutes, et ce qui signifie que vous avez lu avec attention les documents, puisque vous aviez sur le BP 2019 une ligne indemnité aux élus qui était fixée à 130 000 euros. Dans le document qui vous avait été remis initialement, la ligne était fixée à 120 000 euros. Or, l'enveloppe reste constante, donc on est bien sur une enveloppe dédiée aux indemnités aux élus à hauteur de 130 000 euros. Et donc les 10 000 euros de différence ont été ajustés sur le poste de dépense lié à la rémunération des titulaires. Voilà. Avant de passer à l'examen des délibérations et de donner la parole à Madame Lecor, je voulais vous proposer, puisque vous savez qu'aujourd'hui on a un ordre du jour qui est beaucoup consacré à la désignation de représentants dans différents organismes, je voudrais proposer à l'Assemblée de voter à main levée plutôt qu'à bulletin secret pour l'ensemble des délibérations. Donc je sais que cette demande requiert l'unanimité. Si l'une des personnes de l'Assemblée souhaite procéder à bulletin secret, évidemment nous appliquerons ce type de vote pour l'ensemble des délibérations qui concernent la désignation dans les différents organismes. Donc est-ce que quelqu'un s'oppose au vote à main levée pour la désignation des représentants du conseil municipal dans les différents organismes? Bien, je vous remercie. On vient de gagner une heure sur la durée du conseil municipal. Bien. Alors, avant de débuter l'examen des délibérations, je voudrais proposer
à Monsieur Decaz de prendre la parole, puisque vous m'avez sollicité pour me demander l'autorisation de prendre la parole en début de conseil. Peu importe le règlement intérieur, parce que normalement ça demande 3 jours avant. Moi, vous me l'avez demandé, il n'y a aucune difficulté. Donc je propose de vous donner la parole dès maintenant. Nous avions dit lors du conseil d'installation qu'on serait dans une minorité constructive. Si c'était respecté, on comprend que le début du mandat est un peu forcément dans un contexte externe complexe, avec la crise sanitaire, le report de toutes les échéances, et un contexte interne un peu compliqué, mais je pense que c'est pas la peine que j'en parle, vous allez en parler longuement juste après. Nous tenons quand même à signaler que les temps de préparation de l'opposition n'ont pas pu être respectés dans le cadre du règlement intérieur, hein, puisque les délais intermédiaires, on aura certainement plusieurs délibérations sur lesquelles on s'abstiendra, puisque le temps de se réunir pour pouvoir faire, mais nous ne mettrons aucun recours sur la forme. Voilà, juste pour dire que nous aussi, vous, c'était la course, mais nous aussi, c'était la course pour pouvoir essayer de comprendre ce qui se passe. Voilà. C'est bien. Entendu, oui, c'est vrai que vous l'avez vu, j'avais proposé un temps d'échange samedi matin à M. Decaz et Mme Crépel pour justement évoquer le contexte de ma prise de fonction, également de la prise de fonction de la nouvelle majorité par rapport à des délais qui sont évidemment très contraints puisque la loi nous impose de voter le budget avant le 31 juillet. Donc nous avons eu un échange constructif samedi matin au cours duquel je vous ai expliqué toutes les difficultés de la situation budgétaire dans laquelle nous étions. Et je vous ai dit que je m'efforcerai à vous transmettre les délibérations dans les meilleurs délais. Donc évidemment, ça a été très très compliqué, d'autant plus que, comme je vous l'avais expliqué, j'ai eu des échanges avec le cabinet du ministre des Comptes publics et le ministre des Comptes publics lui-même, parce que voilà, on est dans une situation catastrophique au niveau financier. Et donc ça a retardé l'élaboration du rapport d'orientation budgétaire et l'élaboration du budget primitif. Voilà, donc je comprends parfaitement votre situation et en totale transparence, sachez que à l'avenir, lorsqu'on aura évidemment davantage de délais pour préparer un conseil municipal, je respecterai naturellement tous les délais. Là, les délais de convocation ont été respectés. C'est évidemment l'expertise sur les délibérations qui, je peux le constater, a été aussi diminuée par rapport à ce délai contraint. Voilà. Bien. Alors, rentrons dans l'ordre du jour et de façon assez directe, je vais vous donner lecture de l'avis de la Chambre régionale des comptes sur la saisine dont elle a fait l'objet à l'issue du Conseil municipal du 30 avril dernier, puisque c'est une obligation pour le maire de porter à la connaissance de son conseil municipal les avis rendus par la CRC dans le cadre du rejet du compte administratif. Donc avant de vous lire l'avis, je propose à Christophe Legroy, donc mon premier adjoint, de vous résumer de façon très rapide le cycle budgétaire pour une collectivité territoriale, de façon à ce que nous ayons une démarche assez pédagogique par rapport à la compréhension des différentes notions entre le compte de gestion, le compte administratif, le rapport d'orientation budgétaire, le budget primitif. Donc, de cette façon-là, vous pourrez avoir une explication très précise. Voilà. Donc, je vous laisse la parole. On m'entend ? Oui. Oui, merci, monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, le budget, c'est quelque chose qui est complexe, avec des termes des fois difficiles à comprendre, et on souhaite quand même avoir la possibilité de comprendre un minimum. Donc, je me permets de vous donner le cycle budgétaire qui existe et celui notamment de la municipalité de Bayonne. Donc le budget en lui-même, c'est un acte. C'est un acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles
de la collectivité. Ce budget, il est préparé par M. le maire et ses services. Il est voté par l'Assemblée délibérante, aujourd'hui donc le Conseil municipal. Le budget, lui, il est structuré en deux sections. Vous avez une section qui est le fonctionnement et une section qui est l'investissement. La section de fonctionnement, ce sont les dépenses régulières. Elles reviennent chaque année. À titre d'exemple, vous allez avoir les rémunérations, les fournitures, les prestations, les intérêts de la dette également. Et en investissement, là aussi, à titre d'exemple, vous allez trouver les achats de matériel durable, les constructions, les aménagements, les acquisitions et le remboursement du capital de la dette. Ce sont des exemples, bien évidemment. Le budget, il doit respecter avant tout un certain nombre de principes, notamment le principe d'équilibre. L'équilibre, ce sont les dépenses égales aux recettes dans chaque section. Le remboursement, dans chaque section. Le fonctionnement et l'investissement. Et le principe de sincérité, qui est très important. On a des dépenses plafond, bien évidemment, on ne doit pas aller au-delà, et on a des recettes planchées. Le cycle budgétaire, de manière très concrète, et c'est ce dont vous entendrez parler ce soir, nous avons le compte administratif. C'est le premier point. Le compte administratif, il présente les résultats de l'année précédente. L'affectation des résultats. Lui, il reprend ses résultats pour les intégrer au budget de l'année en cours. Le rapport d'orientation budgétaire, que l'on appelle vulgairement le ROB, doit permettre au conseil municipal de débattre sur les priorités de la politique municipale, bien évidemment. Il précède le vote du budget primitif. Et on en vient, pour terminer, au budget primitif, qui reprend l'ensemble des dépenses et des recettes prévues pour l'année en cours. Après le vote du budget, il peut arriver effectivement qu'il faille modifier. Quelques délibérations modificatives sont possibles, c'est ce qu'on appelle les DM. Elles sont votées lors des séances du conseil municipal. Donc voilà en gros le schéma du cycle budgétaire. J'espère c'est assez compréhensible pour vous. Dans tous les cas, on y reviendra par la suite dans le déroulement de la soirée. Bien, merci. Donc, je pensais évidemment très intéressant, avant d'entrer dans le détail, que vous puissiez avoir cette vision globale du cycle budgétaire d'une collectivité. Donc, je démarre l'ordre du jour avec l'avis de la CRC par rapport au rejet du compte administratif le 30 avril 2019. Donc je dois vous donner lecture. Donc évidemment, la saisine était recevable. Donc, considérant que la concordance entre le projet de compte administratif et le compte de gestion 2019, des dépenses, des recettes et résultats des sections de fonctionnement et d'investissement du budget principal de la commune de Bailleul a été vérifiée, s'agissant de l'exercice au niveau du chapitre. Considérant que la concordance entre le projet de compte administratif 2019 et le compte de gestion 2019 des dépenses, des recettes et résultats des sections de fonctionnement et d'investissement du budget annexe Cinéma Le Flandria de la commune de Bailleul a été vérifiée s'agissant de l'exercice au niveau du chapitre en question, et bien par ces motifs, déclare recevable la saisine de la secrétaire générale de la préfecture du Nord agissant par délégation du préfet du Nord à la date du 15 juin 2020 et dit que le projet de compte administratif 2019 est conforme au compte de gestion 2019 du comptable en ce qui concerne le budget principal et le budget annexe du cinéma Le Flandria. Et dit évidemment que le présent avis sera notifié au préfet, au maire et au comptable de la collectivité
et que le conseil municipal est tenu d'en informer, évidemment, dès sa plus proche réunion, ses membres. Donc, je sais que ça a déjà été abordé au début du conseil municipal d'installation du 3 juillet dernier. Aujourd'hui, on a un avis de la CRC qui est évidemment technique, puisqu'il s'agit simplement de dire qu'au niveau des écritures comptables, du compte de gestion et du compte administratif, il y a concordance. Ce qui ne veut en aucun cas signifier que la gestion des finances de la ville a été correcte. Donc je pense que parfois, il y a des amalgames qui sont plus ou moins volontairement réalisés. Je suis très clair là-dessus et je pense que vous aurez d'autres explications au fur et à mesure de nos débats, mais il s'agit juste ici eh bien, d'avoir une cohérence entre l'écriture comptable d'un compte de gestion qui est établi par le payeur, c'est-à-dire par le Trésor public, et de l'autre côté, avec le compte administratif qui, lui, est établi par l'ordonnateur, c'est-à-dire par le maire, avec l'appui des services municipaux. Donc là, on est juste sur une cohérence d'écriture comptable. Voilà. Je pense que c'est important de pouvoir le signifier parce que je sais que parfois, il y a quelques zones d'ombre qui sont volontairement entretenues. Y a-t-il des souhaits d'intervention ? Oui, monsieur Deca. Merci. En effet, je vais abonder dans votre sens, monsieur le maire, comme quoi on est bien uniquement sur une concordance des chiffres et que je voudrais juste rappeler que quand des élus rejettent un compte administratif, c'est pas pour dire qu'il y a des erreurs entre le compte de gestion et le compte administratif, mais c'est aussi pour dénoncer la gestion, pour que des gens se mettent à regarder, des gens extérieurs se mettent à regarder ce qui se passe réellement au niveau de la gestion. Vous nous avez rassuré tout à l'heure en disant que la Chambre régionale des comptes commençait son enquête, et je pense que pour la ville et pour les Bayeulois, il est important que quelqu'un d'extérieur, sur lequel on ne peut pas avoir de jugement de partialité, puisse se mettre en route pour pouvoir faire l'analyse de la gestion 2014-2020. Donc c'est une bonne chose pour la ville que ce rapport soit là et que la Chambre continue son travail. Bien. Alors s'il n'y a pas d'autres interventions, puisqu'on ne vote pas l'avis de la CRC, je passe au point suivant de l'ordre du jour qui concerne l'affectation des résultats de l'exercice budgétaire 2019. Donc je passe la parole à M. Legroin. Bien, donc concernant l'affectation des résultats de 2019, c'est bien, on reprend ce que j'ai dit tout à l'heure, on reprend les résultats de l'année 2019 et on l'intègre dans le budget de l'année en cours. On y distingue, pour Bayeul, le budget principal, c'est le budget de la ville, et le budget annexe, celui du cinéma Le Flandria. Le budget concernant la ville, section de fonctionnement. Le résultat cumulé de clôture déficitaire de la section de fonctionnement est arrêté à la somme de -378 858,68 €. Le budget concernant la ville, section investissement. La section d'investissement laisse apparaître un résultat de clôture excédentaire de plus 336 735,71 €. Le montant des reports 2019 de la section d'investissement en dépenses et en recettes présente également un solde excédentaire à hauteur de plus 352 657,03 €. Aussi, il est proposé d'affecter ces résultats comme suit dans le cadre du budget primitif 2020. Le résultat cumulé de clôture déficitaire de la section de fonctionnement à hauteur de -378 858,68 € est affecté sur l'exercice 2020 au titre du budget primitif au compte 002, déficit de fonctionnement reporté. Le résultat excédentaire de clôture de la section d'investissement à hauteur de plus 336 735,03
1,71 cents, est reporté en section d'investissement sur l'exercice 2020 au titre du budget primitif. Lui est affecté au compte 001, excédent reporté d'investissement. C'est pour la ville. Concernant le budget du cinéma, sur la section fonctionnement, le résultat de clôture excédentaire est arrêté pour la section de fonctionnement à hauteur de plus 750,52 €. Concernant le cinéma sur la section investissement, elle laisse apparaître un résultat de clôture excédentaire de plus 56,390,72 € étant précisé qu'il n'y a pas de report d'investissement 2019 sur l'exercice 2020. Aussi, il est proposé d'affecter ces résultats comme suit dans le cadre du budget primitif 2020. Les résultats cumulés excédentaires de l'exercice 2019 pour la section de fonctionnement et d'investissement sont reportés sur l'exercice 2020 au titre du budget primitif au compte 002 excédent de fonctionnement reporté et 001 excédent reporté d'investissement, respectivement à hauteur de plus 750,52 € et plus 56,390,72 €. Bien, merci. Donc, vous voyez un élément déjà très alarmant qui est le déficit de la section de fonctionnement, puisqu'on a quand même un déficit à hauteur de 378 000 euros qu'il va falloir donc aujourd'hui reporter sur le budget 2020. Donc, on y reviendra par la suite. Y a-t-il des souhaits d'intervention ? Alors, je mets aux voix cette affectation des résultats. Qui est pour ? Unanimité. Merci. Bien, alors je propose de donner la parole maintenant, comme je vous l'ai indiqué au départ de la séance, à Madame Nelly Lecor, qui est donc l'inspectrice principale du Centre des finances de Bailleul, qui nous fait l'amabilité d'être présente ce soir, de façon à pouvoir dresser une rétrospective des budgétaire de la ville, avoir l'historique des comptes. Donc, Madame Lecor, je vous laisse prendre la parole. Je vous remercie. Nous sommes ici avec mon collaborateur à la demande de la commune, sur recommandation de la préfecture, afin de vous présenter, je préciserai plus le compte de gestion que la rétrospective financière que vous la livrez et vous la livrez si vous souhaitez. Enfin, je tenais aussi à le préciser. Donc on va faire un point sur ce compte de gestion qui est, comme indiqué Monsieur le maire, le compte que tient la trésorerie de Bailleul pour la commune. Donc pour rendre cette présentation la plus compréhensible possible, et vous savez combien cette matière est technique, nous avons extrait certaines données du compte de gestion 2019 et nous avons effectué des comparaisons avec l'année précédente, voire quelquefois sur plusieurs années, sachant que les données qui sont à notre disposition sont limitées à 5 années de données. Mais nous avons tout aussi bien notre propos sur 2019 et le rapport à 2018. Nous avons également mis en perspective les données chiffrées, qui sont issues donc du compte de gestion, avec des données moyennes qui sont issues de ce qu'on appelle, dans notre jargon, la strate de référence. C'est-à-dire qu'on va chercher les communes entre 10 et 20 000 habitants qui donc présentent sensiblement les mêmes caractéristiques, même si sur le niveau de ressources ou de l'appartenance à un groupement de communes, tout cela n'apparaît pas. On a cet échantillon de comparaison, donc c'est 34 communes au niveau du département qui sont un objet de comparaison, 65 au niveau de la région et 350 au niveau 530 par contre au niveau national. Donc typologie de communes qui sont similaires et qui peuvent donner des repères que j'ai souhaité vous livrer ce soir. Donc, voilà pour la première diapo. Donc, j'articulerai mon propos autour de quatre points. Une analyse et un point sur les recettes et les dépenses de fonctionnement. Le deuxième point, on évoquera la capacité d'autofinancement et je vous expliquerai dans ce point 2 ce que ça représente pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette notion d'analyse financière. Le troisième point, portera sur les recettes et les dépenses d'investissement, qui sont aussi intimement liées avec cette capacité d'autofinancement.
Et un point un peu terminal sur le bilan fonctionnel, retraitant les données du compte de gestion pour les présenter sous forme de bilan. Un examen d'équilibre financier qui a été évoqué précédemment par M. le maire. Et on fera un point aussi sur la situation d'endettement de la commune. Tout cela au vu des données du compte de gestion. Alors, je voulais déjà par avance m'excuser au niveau de la présentation de certaines diapositives, hein, de données chiffrées qui sont, quelquefois peu lisibles, hein, mais c'est juste un support pour mes propos et mes commentaires. Après, tout est dans le compte de gestion, puisque tout est extrait de ce document. Donc, sur les recettes de fonctionnement, donc, elles s'élèvent avec toutes les opérations, donc, y compris des opérations qui sont quelque part qui ne sont pas liés à une trésorerie, s'élève à plus de 15 millions d'euros. La structure de ces recettes, cette fois réelles, de la commune, montre que les principales sources de recettes sont d'abord les produits issus de la fiscalité directe locale, pour un peu plus de 9 millions d'euros, qui représentent 62% des recettes de fonctionnement, ce que je vous indique sur ce focus. Donc ces recettes de fonctionnement fiscal couvrent, vous le savez, la taxe d'habitation, tant qu'elle est encore dans le paysage, la taxe foncière bâtie, la taxe foncière sur les propriétés bâties, et quelques ressources fiscales, le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales, le Fonds national de garantie individuelle des ressources, et la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle. Et bien sûr, elle comprend aussi les reversements de la communauté de communes. Ça, c'est l'ensemble des ressources fiscales à disposition de la ville de Bailleul. Pour les 32,4% qui représentent... Je suis toujours sur les recettes de fonctionnement. Donc, les dotations et les participations de l'État et autres collectivités, pour 4,7 millions, regroupent 32,4% de ces recettes de fonctionnement. Donc, on constate une légère augmentation de 2,3% entre 2018 et 2019, avec une augmentation un peu différenciée, une augmentation de 4,8% des dotations, alors que la partie ressources fiscales connaît une augmentation de 2,2%. S'agissant des recettes de fonctionnement, je souhaitais faire un petit focus sur les recettes fiscales. Donc c'est ce que je vous expliquais par rapport à la notion de strate et d'échantillon. Ça permet de situer la ressource fiscale, ce qu'elle représente par habitant au sein de la commune. Donc c'est 615 euros. Par habitant, par Bailleulois. Donc ce montant est inférieur à celui qui est, je dirais, mis à la charge des habitants des communes de cet échantillon, cette strate de référence, que ce soit au niveau départemental, régional et national. Alors peut-être pour information, juste pour documenter ce côté fiscal, quelques chiffres. Hein, le nombre de foyers fiscaux est de 8504 sur la commune de Bailleul, avec un taux de foyers qui sont non imposables à hauteur de 56,8%, chiffre de non imposable qui est inférieur à ce qui se trouve pour des communes semblables, tant au niveau du département que la région, et qui est à peu près équivalent sur des communes de même taille au niveau national, puisqu'au niveau national, on est à 56,9% de foyers non imposables. Le revenu fiscal moyen par foyer s'établit, on est bien sur 2019, hein, à 24 523 euros. Il est là également supérieur à ce que l'on constate sur l'échantillon des communes similaires au niveau du département, de la région, et il est inférieur à celui qui est constaté au niveau national, ce qui ne surprendra personne, puisque au niveau national, il est de 26 310 euros par habitant, avec des communes de taille de 10 à 20 000 euros qui sont plus riches. Petit focus aussi sur les taux de foncier bâti. Donc là, je ne parle pas de la TH, hein, je pense qu'on en est plus sur ce sujet-là actuellement. Mais au niveau du foncier bâti, que ce soit pour le taux qui est voté au niveau de la commune, mais aussi ce qui alimente la CCI et le syndicat,
Le taux est de 23,65%. Il est inférieur à celui qui est constaté dans le département, à 29,51%. Inférieur à celui que l'on retrouve sur les communes similaires au niveau de la région, à 30,12%. Et il est un petit peu inférieur au taux que l'on constate sur un échantillon de communes comparables, à 24,71% au niveau national. Au niveau du foncier non bâti, de la même façon pour l'ensemble des collectivités qui perçoivent cette ressource, le taux est de 55,46% au niveau de la commune, alors qu'il est de 68,10% au niveau du département, de 71,69% au niveau de la région, et il est un peu inférieur à celui qui est rencontré au niveau national, sur mon échantillon de 530 communes, où il représente 58,61%. Beaucoup de chiffres, mais juste pour situer aussi vos ressources, enfin les ressources de la commune au niveau des différents taux pratiqués et au niveau du tissu fiscal et de la pression fiscale. Alors je vais passer sur les dépenses de fonctionnement qui en 2019 s'élèvent à 15 885 105,60, très précisément, donc tout type de dépenses confondues. Donc si je regarde dans ces dépenses de fonctionnement les charges réelles, c'est-à-dire celles qui impliquent des mouvements de trésorerie, on enlève ce qu'on appelle les opérations d'ordre, on constate une augmentation de 6,3% de ces charges réelles entre 2018 et 2019. Alors moi, j'ai examiné les différents postes qui concourent à ces dépenses de fonctionnement. Et aujourd'hui, il convient de souligner l'effort de maîtrise des charges de gestion courante en 2019, avec une baisse de 15,3%. Et c'est une baisse qui est encore plus significative sur les subventions de fonctionnement qui sont allouées, puisque la baisse enregistrée est de 21,8%, baisse qui s'inscrit dans la même tendance que les années précédentes sur cette maîtrise des charges de gestion courante. Alors, un petit focus sur les charges générales. Donc, voilà, là, c'est pas très lisible, mais c'est surtout pour illustrer le propos. Donc, ces charges générales, elles regroupent les dépenses d'achat de petits matériels, d'entretien, de fluides, d'assurance, etc. Elles ont augmenté en continu ces dernières années. On a comparé le compte de gestion de 2018 avec celui de 2019. Sur le plan budgétaire, sur le plan des prévisions. Donc le chapitre budgétaire qui englobe ces dépenses prévoyait 3,3 millions d'euros de crédit en 2018 et en avait prévu 3 650 en 2019. Donc c'est une hausse de 350 000 euros, d'une année sur l'autre. Et cette prévision budgétaire, elle s'est bien traduite dans la consommation des crédits que vous retrouvez aussi dans le compte de gestion, puisque l'ensemble des crédits qui sont associés au compte, alors techniquement c'est le compte 611 qui couvre les contrats de prestation de services, 613 les locations et 615 entretien et réparation, ont fortement augmenté. Alors c'est particulièrement visible pour le compte 611, même si le mot visible n'est pas tout à fait adapté à la diapo que je vous propose. Donc, ce sont les deux éléments chiffrés que j'ai soulignés en jaune, puisque les crédits qui ont été consommés en 2019 sur ces seuls comptes s'élèvent à 665 074,26 € contre 481 298,28 € en 2018. Donc une hausse très importante sur ces postes-là. Alors un point également que je souhaitais, sur lequel je souhaitais porter un petit focus, sur les charges en personnel, ça a été évoqué. Donc, dans ce tableau synthétique, il fait état des rémunérations des personnels et charges sociales. Donc effectivement, ce poste, je ne vois pas bien, je n'ai pas pris mes lunettes, ce poste a connu une forte croissance de 12,3% sur une année, donc entre 2018 et 2019. J'essaye de trouver les chiffres en montant. Peut-être que mon collaborateur a mis sur les yeux que moi. C'est ça. Donc, on est à 14 millions donc sur le... Non. Là. Excusez-moi, c'est trop petit.
On est à 8 176 000 euros donc, sur l'année 2019 et 7 283 000 sur l'année 2019. Donc, c'est ce qui justifie le chiffre, la croissance de 12,3% que je vous ai signalé. Donc cette augmentation, cette forte augmentation, elle porte principalement sur les rémunérations et les charges sociales des personnels non titulaires. Elle serait principalement, je vous dis au conditionnel puisque je n'étais pas aussi en poste et que cela je ne le vois pas dans le compte de gestion, mais une conséquence des changements de règles de financement par l'État, des contrats aidés, donc des contrats uniques d'insertion, et notamment en ce qui concerne donc la fin de l'exonération de cotisations patronales. Bon, j'ai fait deux petites diapositives, mais qui juste pour illustrer les rémunérations des non-titulaires leur montant. Donc en 2018, les rémunérations non-titulaires et les charges représentaient 1 380 400 euros. Et en 2019, ces rémunérations de non-titulaires représentent 2 231 644 euros. Donc on voit que cette hausse de 851 244 euros représente la majeure partie de l'augmentation des charges de personnel en général, titulaires, non titulaires, non confondus, puisque l'augmentation globale est de 893 180. Alors si les dépenses ont fortement augmenté, le poids des charges de personnel sur les charges réelles de fonctionnement atteint un niveau qui est comparable aux communes de la même strate. Des augmentations, mais le poids de ces charges en personnel avoisine les 57%, ce qui est relativement comparable aux communes des échantillons dont je vous ai parlé sur les différents niveaux géographiques. Également pour illustrer le propos, nous avons regardé ce que l'on appelle le ratio de rigidité. Donc c'est la proportion des dépenses obligatoires sur les produits réels de fonctionnement. Donc ce ratio se dégrade entre 2018 et 2019. Il passe de 58,39% à 63,12% du fait de l'augmentation de ces dépenses. Donc il se retrouve au même niveau de ce qu'on appelle le dernier décile au niveau national des communes qui sont dans une situation où la rigidité est la plus importante. Ce qui veut dire en clair que les marges de manœuvre de ce fait deviennent limitées compte tenu du volume et du poids des dépenses obligatoires de la commune. Alors pour résumer sur le résultat d'exécution de la section de fonctionnement, comme M. le maire vous l'a présenté, la section de fonctionnement en 2019, elle est déficitaire, à moins 583 851,33 centimes, et ce, je le signale, malgré la réintégration du budget annexe de la ZAC des Collines, qui a été clôturé au 31 décembre 2018 et qui avait donc un bilan positif qui a été donc transféré au budget général. Donc on constate bien une progression plus importante des charges réelles qui croît beaucoup plus vite que la progression des produits réels et notamment, comme on l'a illustré, les charges de personnel, ce qui rend les marges de manœuvre de la commune plus restreintes. Alors sur un deuxième point, je voulais juste vous parler de la capacité d'autofinancement. Je vais essayer d'être assez rapide. Donc ce qu'on appelle la CAF, hein, la capacité d'autofinancement brute. Alors, c'est quoi ? Eh bien, c'est l'excédent qui résulte du fonctionnement utilisable pour financer en priorité le remboursement de la dette, ça c'est la priorité, et ensuite participer au financement de nouvelles dépenses d'équipement. C'est donc la trésorerie potentielle qui est dégagée par l'ensemble des opérations de gestion de la commune. Alors cette capacité d'autofinancement, c'est un indicateur intéressant, nous montre qu'il a diminué de 90%. Donc voilà sur ce tableau, de 2018 à 2019, cette capacité d'autofinancement, elle est passée donc de 596 669 en 2018 à 57 477 euros. En 2019.
Elle représente par habitant, ça donne toujours un ordre de valeur, 4 euros par habitant, cette capacité d'autofinancement, alors qu'au niveau de la strate départementale de l'échantillon de communes que j'appelle comparable, ce montant est de 182 euros. Donc là, également, l'augmentation forte des charges réelles de fonctionnement de 6,3% est très peu compensée par l'augmentation des produits réels qui n'ont augmenté que de 2,3%, d'où la réduction de cette capacité d'autofinancement. Alors, on parle aussi sur la diapositive suivante de la capacité nette. Celle-ci, c'est la même définition que la brute, à la différence près, que l'on va bien sûr extourner le remboursement de la dette, le remboursement direct de l'exercice, ce à quoi elle doit être affectée en priorité. Donc le remboursement direct de l'exercice en 2019 a été de 296 227. On parlera de l'endettement dans la quatrième partie. Quand la CAF nette est positive, cela signifie qu'elle constitue un financement disponible pour la collectivité. Or, là, la CAF nette en 2019 est négative pour la commune. Elle est à moins 238 750 euros, alors qu'elle était positive en 2018 à hauteur de 119 484 euros. Pour résumer, la commune ne dégage donc pas d'excédent suffisant pour faire face au remboursement prioritaire de ses dettes. C'est ce que ça signifie. Donc, ça nécessite effectivement de maîtriser les charges réelles de fonctionnement et puis en contrepartie de dégager davantage de ressources de fonctionnement pour assainir cette situation et permettre d'avoir une capacité d'autofinancement qui va aussi rendre plus soutenable de fait les investissements. Alors, sur les dépenses et recettes d'investissement en deux temps, d'abord les dépenses d'investissement. Le constat, c'est qu'elles sont. Alors, elles ne retracent. Toutes les dépenses d'investissement ne sont pas sur mon tableau, parce que vous remarquerez qu'il manque effectivement quelques points. Les dépenses d'investissement, de façon générale, sont à un niveau modéré pour une commune comme Bailleul. Les investissements, les dépenses d'investissement représentaient 2 700 000 euros sur 2019. Les dépenses d'investissement étaient de 3 500 000 euros en 2018. Je voulais quand même peut-être pondérer aussi, n'ayant pas une grande connaissance encore de cette très belle ville de Bailleul, mais il y a quand même certains investissements qui sont de fait financés aussi par la communauté de communes. Ça permet aussi d'avoir un regard et de pondérer l'analyse que l'on peut faire sur le niveau de ces dépenses d'investissement. Alors ces dépenses d'investissement, elles se décomposent en remboursement d'emprunt, ce que je n'ai pas fait figurer là, mais je vais vous les donner. Je les ai cités juste avant, 299 129. Et des dépenses d'équipement, donc des dépenses d'investissement, de renouvellement de matériel, bâtiments, etc., pour 2 427 798 euros. Alors bien sûr, le remboursement lié aux emprunts et à la dette par rapport aux remboursements qui sont intervenus reste pour l'instant faible comparativement aux communes de la même strate. Cependant, le niveau modéré des dépenses directes d'équipement peut conduire à détériorer le capital, en gros le patrimoine de la commune, son actif immobilisé, et participer à l'augmentation du taux de vétusté des immobilisations, ce que l'on constate aussi quand on examine le taux de vétusté de ces immobilisations, particulièrement sur le matériel, l'outillage. Alors, sur les recettes réelles d'investissement, aussi, pas moyen de pouvoir extraire toujours des données très significatives, elles s'élèvent à 2 551 746 euros. Ces recettes d'investissement sont, alors, vous ne voyez peut-être pas très bien, mais il y a des sous-totaux qui vont vous donner un peu la ventilation que je vais vous citer, à savoir les 2 millions d'euros au titre de l'emprunt qui a été contracté en 2019. Donc c'est un niveau d'emprunt et d'endettement qui est très supérieur en 2019 aux communes de la même strate, alors pour tous les échelons, les échantillons que je vous ai cités, à savoir des communes au niveau du département, de la région ou au niveau national. Au-delà de ces 2 millions d'euros qui participent donc à cette ressource pour faire des investissements,
Figure également 451 948 euros au titre des fonds globalisés d'équipement et également 98 797 euros de subventions d'équipement. Donc ces recettes réelles d'investissement ont fortement augmenté, ce qui est intimement lié, vous en doutez, à l'emprunt contracté de 2 millions d'euros sur l'année 2019. Alors nous avons regardé également aussi le financement disponible pour l'investissement. Et donc si l'on considère le financement des investissements, donc hors emprunt, c'est-à-dire les ressources qui sont disponibles après avoir payé les charges et les annuités d'emprunt, le financement qui est disponible, qui figure tout en bas de cette diapositive, mais en tout petit, ressort à 921 000 euros 324 euros. C'est un financement disponible qui est en baisse par rapport à 2018. Donc ce financement, il résulte des fonds globalisés d'investissement, subventions d'équipement, je vous ai cité, mais également de la cession d'un actif pour 610 000 euros. Je vous rappelle aussi que la commune ne dégage pas d'autofinancement avec une CAF nette de moins 238 750 euros. Donc ce financement disponible de 921 000 euros est à mettre en relation avec les dépenses d'équipement effectives de 2,5 millions, qui ont nécessité de fait un financement résiduel par l'emprunt. Le fonds de roulement de la commune étant épuisé, on va l'évoquer un peu plus tard. Voilà, donc la question se pose aussi, donc le financement des investissements qui ont, excusez-moi, sur le fonds de roulement qui est épuisé, parce qu'il a aussi participé sur les années antérieures au financement des investissements précédents. Alors sur le résultat de la section d'investissement, donc la section d'investissement est excédentaire sur l'année 2019, donc dégagée sur l'année 2019, avec un résultat budgétaire de 1 078 377 euros. Et à la clôture de l'exercice 2019, comme vous l'a indiqué M. le maire, le résultat est de 336 735 euros, compte tenu du déficit qui s'est reporté de 741 641 euros provenant de l'année 2018. Alors, en quatrième point, j'avais souhaité juste vous présenter très rapidement l'analyse que l'on peut faire sur ce qu'on appelle le bilan fonctionnel de la commune, voire son équilibre financier et sa situation d'endettement. Donc, sur le bilan fonctionnel et l'équilibre financier, c'est une analyse qui a été faite comme vous tous, un peu assez rapidement, avec le temps qui m'était imparti, et qui peut-être mériterait, c'est pour ça que je prends un petit peu de précaution oratoire, d'être affiné, notamment avec l'examen des restes à réaliser et des recettes à classer, ce que je n'ai pas eu le temps de faire, où je vous livre cette analyse avec les données qui étaient à ma disposition, voilà, au niveau du compte de gestion. Donc, quand on reclasse les postes du bilan en fonction de leur fonction, justement, on a ce qu'on appelle un bilan fonctionnel et on peut analyser ce qu'on appelle des indicateurs de solidité financière de la commune, le fonds de roulement, je venais de l'évoquer juste avant, le besoin en fonds de roulement et la trésorerie. Le fonds de roulement, c'est quoi? C'est la différence entre les financements qui sont disponibles à plus d'un an, dotations, subventions, les emprunts, et on soustrait les immobilisations, les investissements qui sont réalisés ou en cours de réalisation. Le fonds de roulement de la commune est négatif, et comme vous le voyez, il ressort à moins 42 123 euros. Donc on a bien regardé les ressources propres et les dettes financières, et on a soustrait l'actif immobilisé. Notre fonds de roulement est négatif. Donc cela signifie que la commune n'est pas en mesure de couvrir le décalage entre les encaissements des recettes et le paiement des dépenses qui est mesuré par le besoin en fonds de roulement. Et ce besoin en fonds de roulement, il est d'1 512 875 euros. Donc la commune a épuisé ses réserves et ne dispose plus de trésorerie suffisante pour assurer ses besoins liés au cycle d'exploitation, c'est-à-dire ses charges réelles. Donc c'est ce déficit, c'est pas toujours évident à comprendre, mais c'est le déficit
de ce fonds de roulement d'1 512 000 euros, qui permet d'obtenir une trésorerie qui, elle, ressort largement positive à 1 470 752 euros au 31 décembre 2019, parce qu'on est bien dans une photo du bilan de la commune au 31 décembre 2019. On voit bien que pour déterminer le besoin de fonds de roulement, on regarde ce qu'on appelle l'actif circulant et le passif circulant. Mais si tous les créanciers de la commune demain demandent le paiement de leurs créances, eh bien la commune ne sera pas en capacité de décaisser ces sommes, et moi, en tant que comptable, je ne pourrais pas payer ces factures. Ça, c'est une hypothèse qui ne se produit pas. En général, voilà, il n'y a pas une demande au jour J de pouvoir payer toutes les factures au même moment. Voilà. C'était au 31 décembre. Sur l'endettement, donc là, on a laissé un bilan sur les cinq années de données qui sont à notre disposition au niveau de la trésorerie. Donc, on constate une réduction constante de l'endettement de 2015 à 2018, tout comme les charges financières afférentes. L'emprunt de 2 millions d'euros de 2019, bien sûr, va impliquer un rebond de l'encours de la dette. Et l'encours global de la dette de la commune passe de 1 817 320 euros à 3 521 094 euros après remboursement d'emprunt, et ce, au 31 décembre 2019. Alors, on peut estimer que l'annualité de la dette, le remboursement du capital et des intérêts, devrait de nouveau retrouver des niveaux comparables à ceux de 2015. Alors, on a regardé également la capacité de désendettement qui s'analyse avec la capacité d'autofinancement brut, dont je vous ai dit qu'elle était très faible. Donc, effectivement, quand on rapporte le niveau d'endettement à cette capacité d'autofinancement qui est faible, on arrive à un nombre d'années pour pouvoir absorber le remboursement de la dette qui arrive à 62 ans. Elle était, voilà, donc on est quand même bien au-dessus des 90% des communes, cela parce que la capacité d'autofinancement, elle, est très faible. Ça, c'est vraiment ce qui est marquant sur ce budget. Néanmoins, je voulais aussi également souligner que le poids de l'endettement de la commune par rapport aux recettes annuelles n'est pas considérable. Oui, il y a l'impact de ce que ça représente sur le budget, mais il y a le poids aussi par rapport au budget global. Voilà pour cette présentation qui est certes un peu technique, mais qu'est-ce que tu as apporté sur le compte de gestion ? Bien, merci beaucoup. Je sais que c'est un exercice qui est particulièrement complexe, mais que vous avez cherché à rendre évidemment très, très accessible. Y a-t-il des éventuelles questions ? Alors, je voudrais sincèrement vous remercier parce que, effectivement, quand je vous ai proposé d'intervenir au conseil municipal par rapport à votre regard neutre de la rétrospective budgétaire, je pense que c'était aussi important que l'on puisse dépasser tous les débats que certains aimeraient mettre sur un terrain politique. Moi, j'ai voulu avoir cette vision totalement transparente de l'état des finances de la ville, qui nous permettra ensuite eh bien, d'aborder les trois prochaines délibérations, contenant notamment le ROB et le budget primitif. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vous remercie infiniment de vous être rendu disponible. Et je reviendrai vers vous. Très bien. Bien, alors avant d'entrer dans le débat d'orientation budgétaire et le rapport d'orientation budgétaire, une délibération un peu particulière que je vous présenterai dans quelques minutes et le vote du budget primitif,
Je voulais vous proposer d'aborder ces trois prochaines délibérations de façon commune, puisque évidemment tout est lié, et c'est quand même l'aspect un peu inédit de la séance, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous allons voter au cours d'une même séance, non seulement le rapport d'orientation budgétaire, mais également le budget primitif. Alors que traditionnellement, dans le cycle budgétaire, vous avez une séance qui est dédiée au rapport d'orientation budgétaire et une autre séance qui vote le budget primitif dans un délai de 2 mois avant la précédente. Donc aujourd'hui, comme le budget n'a pas été voté avant, avant la date du 30 juillet, eh bien nous sommes contraints à aborder ces deux sujets simultanément. Donc je vous propose donc d'aborder les trois délibérations qui viennent de façon commune, et ensuite évidemment à la fin des débats que nous pourrons avoir, je mettrai au vote chacune des délibérations de façon individuelle. Donc je passe la parole à Monsieur Legroix. Merci, M. le maire. Je vous rappelle donc que ce que l'on a dit tout à l'heure, le rapport d'orientation budgétaire, il doit permettre au conseil municipal de débattre sur les priorités de la politique municipale. Alors, dans un premier temps, je voudrais également vous dire que vous avez tous eu le détail de l'ensemble de ces documents et qu'ici, je vous présenterai les trois éléments majeurs sont tout à fait parlants. Le constat que l'on fait sur la section de fonctionnement, c'est qu'elle présente un déséquilibre budgétaire. C'est indéniable, les recettes ne sont pas suffisantes pour couvrir l'ensemble des dépenses. Ce déséquilibre, il se décompose en trois éléments majeurs. Vous avez le déficit 2019 qui est reporté, vous avez l'épargne disponible négative, et en troisième point, vous avez les provisions obligatoires. Concernant le déficit 2019 qui est reporté, il est de moins 378 858 euros. Les dépenses de 2019 ont été plus importantes que les recettes. C'est donc la délibération que l'on a votée précédemment. L'épargne disponible, quant à elle, est à moins 422 363 euros. Il s'agit ici de la différence entre les dépenses des recettes prévisionnelles de 2020. Cette situation est liée à un grand nombre de factures impayées sur 2019 qui viennent se reporter sur l'exercice 2020. Il y en a à peu près pour 1 million d'euros. Concernant le troisième point, les provisions obligatoires, on distingue d'une part, les dotations aux amortissements, pour moins 626 000 euros. À comprendre, dans ces dotations d'amortissement, on y trouve les provisions obligatoires, d'une part en dépenses, c'est-à-dire ce que l'on dépense, bien évidemment. Il s'agit donc des dotations aux amortissements, hein, par exemple, si vous avez un ordinateur, il faut bien l'amortir sur quelques années. C'est une obligation réglementaire qui impose à faire une provision afin de prévoir un rachat régulier. Bien évidemment, un ordinateur, à un moment donné, il faut le remplacer. On retrouve ce montant, d'ailleurs, vous le verrez ensuite, par la suite, dans la section investissement. En recette, nous avons les opérations patrimoniales. Ici, pour plus 103 070 euros, nous avons donc, pour cette section de fonctionnement, un résultat de moins 1 324 151 euros. Concernant la section d'investissement, cette fois-ci, cette section d'investissement, elle présente un suréquilibre budgétaire. Les recettes prévisionnelles sont supérieures, bien évidemment, aux dépenses. Ce suréquilibre, là aussi, se décompose en trois éléments majeurs. Le premier, ce sont les reports excédents de 2019. Il y a plus 336 735 euros. Il s'agit là de dotations et de subventions importantes. Il y a forcément donc plus de recettes que de dépenses. Le deuxième point, c'est l'excédent de financement. Là, nous avons plus
464 486 euros. Il s'agit ici donc de la différence entre les dépenses et les recettes prévisionnelles. Concernant donc les dépenses, la nouvelle équipe municipale a fait le choix de ne maintenir pour l'année 2020 que les opérations déjà lancées ou ayant un caractère réglementaire. Concernant les recettes, on retiendra les opérations de cession réalisées ou à venir. Pour le troisième point, les recettes d'amortissement. Nous avons des dotations d'amortissement à hauteur de plus 626 000 euros et des opérations patrimoniales qui viennent se retirer à moins 103 070 euros, ce qui nous fait un total de plus 523 930 euros et donc un résultat définitif de 1 324 151 euros. Sur l'équilibre du budget primitif de 2020, les opérations de fonctionnement et d'investissement sur le budget 2020 ne présentent aucune section à l'équilibre en l'état actuel. Cette situation revêt donc un caractère exceptionnel par le montant du déséquilibre, d'une part, de la section de fonctionnement qui représente presque 10% du budget de fonctionnement, le besoin ponctuel d'équilibre des comptes et les perspectives de retour à l'équilibre pour l'exercice 2021. Et enfin, pour terminer, la volonté de la nouvelle équipe municipale de ne pas augmenter la fiscalité compte tenu de la pression fiscale existante sur le territoire, de la crise sanitaire, économique, sociale traversée par nos concitoyens. Bien, alors ça fait peut-être beaucoup de chiffres. Moi, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, il y a un chiffre essentiel à retenir. C'est 1 million d'euros. 1 million d'euros de factures de 2019 qui n'ont pas pu être réglées sur le budget 2019, faute de crédits suffisants, et qui aujourd'hui sont rattachées sur le budget 2020. Évidemment, cela crée le déséquilibre de la cession de fonctionnement, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on présente une section de fonctionnement avec un déséquilibre de 1 300 000 euros, c'est près de 10% du budget de fonctionnement. C'est du jamais vu. Alors, on pourra après échanger évidemment sur la situation financière de la ville. Je pense que vous avez eu la présentation de Madame l'inspectrice principale. Aujourd'hui, de façon très claire, la situation financière de la ville, elle est catastrophique. Catastrophique parce que il y a ce million d'euros de facture qui n'a pas été payé en 2019 et qu'il faut aujourd'hui rattacher en 2020. Il y a également un compte administratif 2019 qui se conclut en déficit à hauteur de 378 000 euros, notamment parce que le précédent conseil municipal avait adopté une délibération modificative fin 2019 qui inscrivait une recette de 500 000 euros pour l'allocation du centre technique municipal, permettait donc d'équilibrer le budget, mais finalement, la ville n'a jamais perçu cette recette de 500 000 euros. Et donc, vous voyez comme conclusion que le compte administratif 2019 se conclut avec un déficit à hauteur de 378 858 euros. Donc moi, j'ai demandé à l'administration de faire un travail très précis, très lourd, d'économie sur les dépenses à caractère général, notamment. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous présentons une épargne disponible prévisionnelle, évidemment déficitaire, à hauteur de 319 000 euros, mais à mettre en perspective avec le million d'euros de facture qui n'a pas été payé en 2019 et qu'il faut rattacher sur 2020. Vous dire aussi que la dotation aux amortissements, c'est une obligation, donc il faut la faire figurer dans la section de fonctionnement, à hauteur de 626 000 euros. Et donc aujourd'hui, comme M. Le Gros l'a dit, vous avez un déséquilibre de la section de fonctionnement à hauteur de 1 324 000 euros. Qui est donc, encore une fois, inédit à Bailleul au sens propre du terme. Donc, la situation, elle est évidemment catastrophique. De l'autre côté, vous avez
une section d'investissement qui, elle, présente un suréquilibre à hauteur de 1 566 000 euros. Et comme cela vous a été présenté, cela a été dit pendant la campagne, nous avons pris l'engagement de ne pas augmenter les impôts. Non pas par dogmatisme, non pas par clientélisme électoral. Simplement parce que nous considérons que la période de crise sanitaire, économique et sociale que nous vivons, et toutes les décisions gouvernementales le montrent, n'est évidemment pas adaptée à la moindre hausse d'impôts. Parce que nous considérons aussi que la pression fiscale aujourd'hui à Bailleul, elle existe, elle est réelle, et qu'il n'est pas responsable aujourd'hui d'augmenter cette pression fiscale. Et enfin, de façon très claire, je considère que ce n'est pas aux Bailleulois aujourd'hui de payer pour une mauvaise gestion des comptes de la ville sur les exercices 2018 et 2019. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité ne pas utiliser le levier fiscal pour compenser ce déséquilibre en section de fonctionnement. Alors, la situation, vous l'avez compris, elle est exceptionnelle au sens propre du terme. C'est la raison pour laquelle, depuis ma prise de fonction, j'ai multiplié les contacts entre la sous-préfecture, entre la Chambre régionale des comptes, entre la trésorière principale, entre le ministre de l'Intérieur, entre le ministre des Comptes publics. J'ai été encore en lien, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas été en mesure de vous transmettre les délibérations plus tôt, avec le cabinet du ministre des Comptes publics, encore mercredi, par rapport à cette perspective budgétaire. Aujourd'hui, ce que je vous propose dans la délibération 20-020, eh bien, c'est d'utiliser, puisqu'on est dans une situation exceptionnelle, une ordonnance qui précise qu'il est tout à fait possible pour le ministre des Comptes publics et le ministre de l'Intérieur, donc pour la Direction générale des collectivités locales et pour la Direction générale des finances publiques, d'accorder une dérogation exceptionnelle à une collectivité pour qu'elle puisse reprendre un excédent d'investissement et des produits de cession sur la section de fonctionnement afin d'équilibrer sur un exercice budgétaire. Voilà aujourd'hui la seule solution qui s'offre à la ville de Bailleul pour présenter un budget en équilibre. Aujourd'hui, j'ai tout fait. J'ai multiplié les contacts. J'ai réussi, avec l'aide des élus de la majorité, à dégager des économies sur le budget 2020, mais insuffisant, évidemment, pour combler le déséquilibre. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est évidemment de voter cette délibération de reprise d'un excédent d'investissement et de produits de cession pour équilibrer la section de fonctionnement. J'étais donc en échange avec le cabinet du ministre des Comptes publics cette semaine, qui a initié le dossier auprès de la Direction générale des finances publiques, donc auprès de Bercy. L'instruction qui nous a été donnée est donc de voter ce budget de fonctionnement en déséquilibre, en attendant la dérogation exceptionnelle qui devrait intervenir au mois de septembre. Donc aujourd'hui, je ne suis pas en mesure de vous présenter cette dérogation exceptionnelle, vu les délais qui nous étaient impartis pour présenter le budget, mais c'est la seule solution qui s'offre à nous pour présenter un budget de fonctionnement en équilibre, en sachant que cette solution, elle existe, elle est prévue dans l'ordonnance dont je viens de vous parler, et elle permettra, sur l'exercice 2020, eh bien, de rattraper toutes les graves erreurs de gestion qui ont eu lieu sur les derniers exercices budgétaires, et de présenter un budget équilibré sur l'année 2020. Voilà, je voulais vous présenter ces éléments en toute transparence, en sachant que il y aura certainement des prises de parole. Je voudrais maintenant redonner la parole à Christophe Legrois pour présenter le budget primitif, et donc à l'issue des trois délibérations, je laisserai Pallas au débat, et puis ensuite au vote de ces trois délibérations. Bien, donc compte tenu de l'ensemble des éléments qui vous ont été présentés, et bien évidemment dans l'attente de la décision d'octroi de dérogation, il est demandé au Conseil municipal
d'approuver le budget primitif 2020 de la commune de Bailleul, budget de la ville, tel que présenté dans les documents qui vous ont été remis. Par ailleurs, il est également demandé au conseil municipal d'approuver le budget primitif 2020 du cinéma Le Flandria, tel que présenté dans les documents qui vous ont été remis, étant précisé qu'il n'y a aucun report de crédit d'investissement de 2019 sur l'exercice 2020. Dans cette circonstance, le budget 2020 reste un budget de survie au jour d'aujourd'hui. Le budget 2021 sera quant à lui le premier de la mandature et à l'image de la nouvelle équipe municipale. On le souhaite solide, sincère et responsable. Bien, merci. Donc oui, c'est vrai que le terme de budget survie, il est précisément d'actualité parce que nous n'avons pas d'autre solution. Donc soit nous nous mobilisons collectivement pour que la ville de Bailleul parvienne à survivre d'un point de vue financier et conserve cette autonomie. Et c'est l'objet de ces trois dernières délibérations. Parce qu'aujourd'hui, l'autre solution, elle est simple. Si je veux résorber 1,3 million de déséquilibre en session de fonctionnement, il s'agit pour la ville d'arrêter tous les services municipaux jusqu'au 31 décembre. Donc il s'agit d'arrêter la pause méridienne, les activités périscolaires, la cantine, les activités pour les personnes âgées, tout. C'est la seule solution aujourd'hui qui permettrait à la ville de présenter un équilibre en section de fonctionnement. Évidemment, je pense que nous serons unanimes aujourd'hui pour refuser cette situation. C'est la raison pour laquelle je vous propose donc ces trois délibérations, dont celle exceptionnelle de reprise de l'excédent d'investissement en section de fonctionnement. Voilà, y a-t-il des souhaits de prise de parole ? Allez-y, qui veut prendre la parole ? Oui ? Non ? Monsieur Decas ? Oui, très court. On a pu en discuter un petit peu. Voilà, le contexte de préparation était en effet très compliqué. Je l'ai dit tout à l'heure, on a reçu les documents tardivement, donc sur la partie budgétaire, c'était un peu compliqué de faire un avis. Il y a quand même quelques questions. Je suis désolé que les anciens élus aient eu raison. On aurait préféré s'être trompé de beaucoup sur la situation financière. Ce n'est pas le cas. Vos propos sont d'ailleurs clairs, ils sont écrits. Situation catastrophique, c'est la survie et l'autonomie financière de la ville qui sont en jeu. Ce sont quand même des mots très très forts dans des délibérations de conseil municipal. Nous découvrons avec vous l'ampleur avec le million d'euros de factures impayées. C'est quand même énorme. Je n'ai pas d'autres mots. Et pour ceux qui avaient suivi le conseil du 30 avril, on comprend mieux pourquoi la taxe foncière devait doubler pour boucher les trous. Sur les dépenses, ça vous a naturellement laissé peu de marge. Voilà, forcément, il y a beaucoup de choses qui étaient préparées différemment. J'aurais aimé quand même quelques réponses, puisque vous avez pris en compte dans votre préparation le besoin de rééquilibrage du budget du CCAS, qui, lui, n'est toujours pas... le CA 2019 n'a toujours pas été vu, et est-ce qu'on pourrait avoir... une annonce sur les prévisions de besoins financiers que vous évoquez dans votre rapport. Une question qui est un peu plus particulière, le montant des subventions aux associations n'a pas changé entre votre projet de budget et celui de Marc Deneuch. Et Marc Deneuch a annoncé dans son rapport une baisse de 100 000 euros de ses subventions. Ça veut dire que vous êtes dans la même lignée de cette baisse. C'est une question... Et vous êtes au final, en effet, à plus d'un million, 3,4 millions de déficit sur le fonctionnement, de déséquilibre. Je ne parlerai pas de l'investissement, si ce n'est que vous mobilisez quand même les 700 000 euros de l'emprunt 2019. J'espère que ça ne posera pas de problème pour la démarche que vous avez engagée. Et donc, cette dérogation, on va forcément... vous accompagner pour la voter et la défendre.
Là, il faut absolument combler ce déficit de fonctionnement. Vous l'avez dit, c'est écrit, vous héritez d'une situation financière catastrophique et on vous souhaite encore bon courage pour la remontée. Vous pouvez compter sur notre soutien pour pouvoir remettre les finances de la ville à l'équilibre le plus vite possible. Je l'ai dit au début, nous voterons pour la délibération concernant la demande de virement de l'investissement au fonctionnement. Nous nous abstiendrons sur le budget puisque on n'a eu que quelques heures pour le regarder et on n'a pas eu l'occasion de se voir pour pouvoir en discuter avant dans le contenu précis. D'autres souhaits de prise de parole ? Oui, Monsieur Denoche. Alors, effectivement, avant de qualifier le budget 2019, nous allons attendre peut-être le rapport de la Chambre régionale des comptes. Hein, j'ai sous les yeux le rapport qui a été proposé, parce qu'il y a eu également un rapport d'observation qui a été fait pour le mandat précédent. Et je note qu'ils disent, pour conclure, une interprétation accommodante de la notion de reste à réaliser a amélioré le résultat de la section d'investissement de 353 000 euros et dissimuler le déficit réel qui était de 790 000 euros. Hein, donc c'est la situation que j'ai trouvée hein, quand je suis arrivé ici en 2014. Alors ça ne m'enlève aucune responsabilité hein, sur ce budget et j'assume totalement les choses. Hein, traditionnellement, hein, il y a souvent hein, des factures qui n'ont pas pu être payées l'année précédente parce que les travaux ne sont pas totalement réalisés, parce qu'il faut hein, vérifier encore hein, qu'il n'y a pas de problème avant de les effectuer, et puis les retards aussi administratifs hein, qui peuvent expliquer que des factures soient payées plus tard, c'est quelque chose de tout à fait classique. C'est vrai aussi hein, que j'ai souhaité pendant ce mandat hein, baisser les impôts, ça n'avait jamais été fait auparavant, et bien évidemment à partir du moment où on a moins de recettes, c'est un petit peu plus difficile pour équilibrer le budget si, en plus, on propose hein, des choses nouvelles, hein, par exemple le doublement hein, des périodes des centres de loisirs ou la baisse hein, de 33% hein, des repas scolaires. Hein, donc, gouverner, c'est choisir et choisir, c'est renoncer. Et donc il faudra à la nouvelle équipe, bien évidemment, faire des choix. Ah, moi j'avais fait un choix très clair, c'est mettre le maximum au niveau des écoles, à la fois au niveau des investissements, hein, pour rénover les bâtiments, mais aussi au niveau des élèves, en mettant par exemple en place le classe, en baissant le coût des repas scolaires, en doublant hein, la prise en charge des enfants pendant les vacances, en mettant par exemple une école de musique beaucoup plus grande. Hein, au départ, il y avait 200 mètres carrés, maintenant elle fait 700 mètres carrés. Hein, donc un certain nombre de situations hein, qui engendrent bien évidemment des frais de fonctionnement plus importants. Et donc là, la nouvelle équipe aura des choix à faire. Hein, nous, on avait prévu un certain nombre de mesures hein, de façon à ce que le budget soit équilibré, hein, ce qui est tout à fait rassurant, et j'espère que ça va être confirmé par la Chambre régionale, c'est que l'endettement est très faible. Hein, je rappelle souvent que l'endettement d'Armentières, c'est 19 millions d'euros. L'endettement d'Azerouk, c'est 16 millions d'euros. Nous, on est à un peu plus de 3 millions d'euros. Hein, un endettement plus faible que quand je suis arrivé en 2014. Et cet endettement, ben, c'est un remboursement à effectuer chaque année. Hein, donc ça veut dire qu'on a, vous aurez une marge de manœuvre plus importante que quand je suis arrivé en 2014. Hein, donc voilà un petit peu hein, ma vision des choses. Comme l'a dit Madame Lecor, effectivement, l'arrêt des contrats aidés, hein, il y avait quand même 40 contrats aidés ici au niveau de la commune, hein, ça a impacté fortement le budget. Ces contrats aidés, hein, on les retrouvait essentiellement au niveau des animateurs, hein, donc on a augmenté le nombre de jours hein, de prise en charge des enfants pendant les vacances, et on a augmenté aussi hein, le nombre d'animateurs, forcément. Et en plus, ces animateurs étant payés plus cher parce que les contrats aidés n'existaient plus, forcément, ça a impacté de manière importante les finances de la commune.
s'y est ajouté quelque chose que je ne connaissais pas, hein, et qui a impacté aussi fortement et à retard les finances de la commune, c'est que ces jeunes qui étaient employés, hein, dans le cadre des animations pendant les vacances, ensuite, c'est la commune, s'ils n'arrivaient pas à trouver un emploi immédiatement après, c'est la commune qui payait les charges liées au chômage. Hein, donc, ce n'était pas Pôle emploi, c'est la commune qui payait ces charges. Et ces charges peuvent être très élevées. Hein, j'ai ici dans le carnet quelques exemples. Hein, ça peut s'élever par exemple à 15 000 euros, ça peut s'élever à 19 000 euros. Hein, donc quelque chose d'important et qui est reporté d'année en année, hein, en fonction de la durée avec laquelle il reste au chômage. Hein, donc c'est quelque chose que je ne connaissais pas et donc qui a impacté aussi. Hein, mais bon, hein, je vous propose d'attendre le rapport de la Chambre régionale, hein, pour avoir une vision impartiale de la situation de la commune. Merci. Y a-t-il d'autres souhaits de prise de parole ? Non ? Alors, quelques éléments, parce que je vais répondre globalement à vos questions. Concernant le CCAS, nous avons le conseil d'administration demain, donc nous aborderons en détail le bilan financier du CCAS, dont la situation est aussi préoccupante parce que vous avez le budget annexe de la résidence senior, donc du FPA, qui est en déséquilibre, lié notamment à tous les loyers que nous ne percevons plus puisque les logements ne sont plus mis en location. Donc je suis conscient qu'il y a des travaux à initier, mais finalement, aujourd'hui, on se retrouve avec 452 000 euros de loyers que nous n'avons plus en recettes. Donc forcément, à force d'accumuler toutes ces recettes non perçues, eh bien vous avez un budget qui est foncièrement en déséquilibre. Donc le CCAS est évidemment un sujet, et mon souhait, comme c'est le cas pour le budget principal de la commune, c'est évidemment d'équilibrer les comptes en imaginant, quand nous obtiendrons cette dérogation exceptionnelle, eh bien d'ajuster la subvention au CCAS pour permettre enfin au budget du CCAS et à ses budgets annexes, eh bien, de repartir sur un équilibre de fonctionnement qui soit présenté de façon pérenne. Alors, je pense que nous ne sommes pas aujourd'hui pour faire un bilan de la mandature 2014-2020. Moi, je suis simplement très pragmatique et j'écoute les différents éléments qui ont pu être portés à notre connaissance ce soir par Madame la trésorière principale. Je veux dire, quand on a quand même les principaux indicateurs qui sont au rouge, même plus loin que le rouge, dans le noir, des contrats de prestations externes qui augmentent, des charges de personnel qui augmentent, une capacité d'autofinancement qui est aujourd'hui nulle, qui ne nous permet plus d'investir, un fonds de roulement qui est épuisé, des charges générales qui augmentent. À un moment, j'ai envie de dire, quand on décide d'engager des factures, il vaut peut-être mieux regarder ce qu'il y a encore en caisse avant de décider de faire les dépenses. Et je pense que l'ampleur des factures 2019 à rattacher sur le budget 2020, 1 million d'euros, c'est, comme je le disais tout à l'heure, du jamais vu. Et donc on a beau essayer de justifier tous les éléments, je ne dis pas que rien n'a été fait pendant le dernier mandat, mais je dis qu'aujourd'hui, la situation financière dont la nouvelle municipalité hérite, elle est simplement catastrophique. Et tous les voyants sont au rouge. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, moi, je prends acte de cette situation financière. Et ensemble, l'objectif, c'est de prendre de la hauteur et de proposer ce budget de survie en 2020 pour, dès 2021, eh bien, réussir à faire à nouveau avancer la ville de Bailleul au service de ses habitants. Voilà. Donc, le budget survie tel que Christophe Legros l'a présenté, il est réel, il existe. Aujourd'hui, c'est une question de survie que nous sommes en train d'évoquer lors de ce conseil municipal. Et nous sommes dans une démarche qui est inédite, mais qui demande aussi beaucoup de lucidité par rapport à l'héritage qui est le nôtre aujourd'hui. Y a-t-il d'autres souhaits de prise de parole ?
Alors, je vous propose, comme je vous l'avais indiqué, de mettre aux voix ces trois délibérations l'une après l'autre. Donc, nous mettons aux voix le rapport d'orientation budgétaire. Donc, délibération 20-019. Qui vote pour ? Contre ? Qui s'abstient ? Ensuite, je mets aux voix la délibération qui consiste à reprendre des recettes d'investissement en section de fonctionnement à titre exceptionnel, tel que je l'expliquais tout à l'heure. Donc la délibération 20-020. Qui vote pour ? Unanimité. Et enfin, la délibération numéro 20-021 qui consiste à adopter le budget primitif principal de la ville et le budget du cinéma Le Flandria. Qui vote pour ? Contre ? Qui s'abstient ? Adopté à la majorité. Voilà, ceci termine la partie financière. Je vous propose maintenant de poursuivre l'ordre du jour avec les premières désignations au sein des syndicats intercommunaux, donc délibération 20-022, le syndicat intercommunal d'énergie des communes de Flandre, dont fait partie la ville de Bailleul depuis de nombreuses années. Et l'objectif aujourd'hui de cette délibération, c'est de désigner les deux candidats, les deux délégués de la ville de Bailleul. Donc moi, je vous propose comme délégué titulaire, M. Arnaud Devillet et M. Emmanuel Furlan, et comme délégué suppléant, M. Géry Delangue et M. Gilles Devienne. Y a-t-il d'autres candidats ? Donc je mets aux voix la délibération. Qui vote pour cette désignation ? Unanimité. Ensuite, nous passons à la délibération 20-023 qui concerne la désignation des délégués et des grands électeurs au sein du syndicat Sidensian, donc qui gère notamment la compétence de l'eau potable, de l'assainissement et la défense contre l'incendie. Donc il s'agit ici de voter plusieurs délégués par rapport aux compétences qui sont aujourd'hui dévolues au Sidensian. Donc pour la compétence eau potable, je propose deux candidats que seront Nicolas Lefebvre et Michel Legrand. Y a-t-il d'autres candidats ? Qui vote pour ? Unanimité. Pour la compétence assainissement collectif, je propose la candidature de Nicolas Lefebvre et d'Emmanuel Furlan. Qui vote pour ? Unanimité. Pour la compétence assainissement collectif, je propose la candidature d'Emmanuel Furlan. Qui vote pour ? Concernant la compétence gestion des eaux pluviales, je propose à nouveau la candidature d'Emmanuel Furlan. Qui vote pour ? Et enfin, concernant la compétence défense extérieure contre l'incendie, je propose la candidature d'Arnaud Devillet. Qui vote pour ? Unanimité. Je vous remercie. Nous passons maintenant à la commission de délégation de services publics qui sera amenée à se réunir lorsque, eh bien évidemment, des perspectives de délégation de services publics de DSP interviendront au niveau des activités municipales. Si nous faisons passer aujourd'hui cette délibération, c'est parce que nous avons la question de la délégation de services publics pour le crématorium qui va apparaître très rapidement. Et donc, l'objet de cette délibération consiste à désigner les membres de la commission de délégation de services publics. Je voudrais donc vous indiquer qu'il s'agit de 5 postes de titulaires et de 5 postes de suppléants, que chaque liste est en mesure de présenter ses propres candidats. Monsieur Deneuch, au nom de la liste fière de faire vivre Bailleul, est-ce que vous avez des candidats à présenter ? Non ? D'accord.
Donc j'indique également que vous ne soyez pas surpris, puisque vous voyez Madame Crépel apparaître dans la liste bailleloise-bailleloise, ce n'est pas un transfert. C'est juste une proposition que j'ai décidé de faire à Madame Crépel, puisque par rapport au type de scrutin, qui est donc un scrutin à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel, il était envisageable, si la liste de M. Deneuche avait été déposée, que la liste Unie pour Bailleul n'ait pas de membres au sein de cette commission de délégation de services publics, ce qui me semblait totalement incongru. C'est la raison pour laquelle j'avais proposé à Mme Crépel de figurer dès la rédaction de cette délibération en quatrième position sur la liste bailleloise-bailleloise, de façon à ce qu'elle siège avec certitude au sein de la commission de délégation de services publics. Voilà. Donc il n'y a pas de transfert, donc on va continuer comme ça. Donc je mets au voie la composition pour les titulaires avec M. Christophe Legrois, M. Arnaud Devillet, Mme Mathilde Charpentier, Mme Bénédicte Crépel et M. Damien Verward. Et pour la liste des suppléants, Mme Evelyne Loridan, Mme Aurélie Costenoble, M. Benjamin Soa, M. Florent Vandenabel et M. Aurélien Beaufromé. Alors, qui vote pour ? Unanimité. Ensuite, délibération 20-025 qui concerne le renouvellement du marché de transport de personnes. Et je donne la parole à M. Géry Delang, qui est donc conseiller municipal délégué au transport notamment, à l'urbanisme, à la sécurité routière et également au partage de l'espace public, je crois, de mémoire. Merci, Monsieur le maire. Donc, en effet, la délibération concerne le lancement d'une consultation pour le renouvellement du marché de transport de personnes. Donc, je vais vous faire un premier point sur les éléments de contexte. On a aujourd'hui des marchés en cours qui expirent au 31 octobre 2020. Si on ne veut pas une rupture de service, il faut qu'on attribue des nouveaux titulaires au plus tard à cette date. Et autre élément de contexte, c'est le code de la commande publique qui va conduire les procédures en cours. Donc, concernant le contenu du futur dossier de consultation, il va comprendre 5 lots. Un premier qui concerne le ramassage et la dépose des scolaires et des activités de loisirs pour un montant maximum de 274 100 euros hors taxes. Un deuxième qui concerne le transport pour les activités scolaires pour un montant maximum de 138 350 euros hors taxes. Un troisième qui concerne le transport en extrascolaire, petites et grandes vacances et le mercredi pour un montant maximum de 98 000 euros hors taxes. Un quatrième lot qui concerne le transport des personnes âgées pour un montant maximum de 75 700 euros hors taxes. Et enfin, un cinquième lot concernant le transport touristique pour un montant maximum de 84 800 euros hors taxes. Donc on arrive à un montant total de 670 000 euros hors taxes environ. Pour l'ensemble des lots sur une durée maximum de 3 ans, comme c'est prévu au futur marché. Autre point, c'est que vu le délai court de notification des nouveaux marchés, on n'a pas eu le temps, nouvelle municipalité, de plancher sur le dossier. Donc c'est essentiellement le marché, la base du marché en cours qui sert de fond de dossier pour la reconduction. Donc, concernant la justification de la procédure, donc il y a 3 critères, c'est qui achète, ce qu'on achète et pour combien on achète. Donc c'est la collectivité qui achète, un marché de services pour un montant de, comme j'ai dit, 270 000 euros hors taxe. Donc ça impose de passer par une procédure formalisée dont le seuil est bien plus bas. Si on dépasse 214 000 euros hors taxes, on est obligé de passer donc par une procédure formalisée. Donc la procédure qui a été choisie, c'est celle d'appel d'offres, donc européen. Européen, pourquoi ? Parce qu'il y a une annonce qui devra être publiée au journal officiel de l'Union européenne. Donc les marchés seront visibles à l'échelle européenne. Donc,
fait, ça ne change pas grand-chose parce que toute entreprise européenne peut postuler, peut candidater à un marché publié en France, peu importe son montant. Donc, quoi d'autre concernant... oui, voilà, c'était l'essentiel. Donc, la délibération, elle porte sur les points suivants. Autoriser de lancer l'appel d'offres dans le respect fondamental de la commande publique. Autoriser le maire à signer tous les documents, les actes administratifs de la procédure. Et le cas échéant, si on n'arrive pas à attribuer un marché, c'est de relancer selon une autre procédure, à savoir une procédure adaptée. Bien, merci Monsieur Delangue. Y a-t-il des interventions ? Bien, donc si on passe la délibération dès aujourd'hui, c'est parce que vous l'avez compris, le marché arrive d'échéance au 31 octobre. Et par rapport à la date du prochain conseil municipal qui pour l'instant n'est pas fixé, l'objectif c'est évidemment de pouvoir continuer à proposer cette offre de service sur notre territoire. Donc je mets au vote cette délibération. Qui vote pour ? Unanimité. Donc nous passons à la délibération 20-026 qui concerne l'indemnité de fonction du maire, des adjoints et des conseillers délégués. Donc délibération récurrente en début de mandat. Donc le contenu de cette délibération est évidemment précis dans le sens où il précise donc sur pour chaque fonction donc de maire, d'adjoint au maire ou de conseiller délégué la perspective d'une rémunération. Moi je n'ai aucune difficulté à évoquer tous ces sujets de façon transparente. Je considère que les indemnités des élus sont un sujet sur lequel mais il faut évidemment ne pas avoir peur de en aborder le contenu. Donc ici, vous l'avez déjà vu lors du conseil municipal d'installation, j'ai fait le choix que chaque élu de la majorité est une délégation. Donc c'est un choix que j'assume, puisque vous avez une majorité aujourd'hui de 25 élus, qui contient donc 9 adjoints au maire et 15 conseillers municipaux délégués. Et donc dans la répartition de l'enveloppe globale dédiée aux indemnités des élus, j'ai souhaité que chaque élu de la majorité puisse toucher une indemnité. C'est la raison pour laquelle j'ai fait le choix de renoncer à l'indemnité maximale qui était proposée au maire et avec les adjoints, nous avons décidé de diminuer également l'indemnité des adjoints de façon à ce que chaque élu, chaque conseiller municipal ayant une délégation puisse bénéficier également d'une indemnité. Aussi symbolique soit-elle, mais je pense que c'est important aussi, lorsqu'on est en charge d'une délégation, eh bien de pouvoir avoir une indemnité pour assurer sa fonction d'élu. Donc de façon totalement transparente aujourd'hui, je vous donne les chiffres. Le maire, donc je toucherai 1 700 € net. Je vois que vous notez tous, ça montre que c'est très intéressant. Donc le maire 1 700 € net, les adjoints 750 € net et les conseillers municipaux délégués 150 € net. Voilà. Et dernier élément, l'enveloppe dédiée aux indemnités des élus, elle est constante du budget 2019 au budget 2020. Y a-t-il des souhaits d'intervention ? Donc je mets aux voix, qui vote pour ? Unanimité, merci. Alors j'enchaîne, délibération 20-027, délibération aussi standard en début de mandat, qui consiste à proposer au conseil municipal la création d'un poste de collaborateur de cabinet, qui est une possibilité offerte aux villes comme Bailleul de moins de 20 000 habitants d'avoir un collaborateur de cabinet. C'est évidemment une nécessité par rapport aux fonctions d'élus de la majorité. Donc cette délibération donc, prévoit cette création. Y a-t-il des souhaits d'intervention ? Donc je me vois. Qui vote pour ? Adopté à l'unanimité. Délibération 20-028. Donc c'est une délibération qui est aussi essentiel. Vous savez la crise très grave que nous avons traversée
et durant laquelle eh bien, les agents municipaux ont été pour beaucoup en première ligne. Ce que je vous propose dans cette délibération ce soir, c'est d'acter le principe de l'attribution d'une prime aux agents municipaux qui ont continué à exercer leurs fonctions durant la crise sanitaire, notamment la période de confinement. Alors, de façon aussi très transparente, dans le contenu de la délibération, vous n'avez pas aujourd'hui les modalités d'attribution de la prime, notamment le montant, les critères qui seront mis en œuvre pour déterminer le montant, les personnels éligibles ou autres, parce que moi je souhaite que ce sujet-là soit abordé avec les représentants du personnel en toute transparence, mais également parce que il fallait, selon moi, être en mesure de voter le budget et ensuite d'attendre la réception de la dérogation exceptionnelle avant de s'engager financièrement. Moi, je le dis aussi de façon très directe, lorsqu'il s'agira d'engager des dépenses, eh bien c'est qu'en contrepartie, nous aurons évidemment les ressources nécessaires pour financer ces dépenses. Donc l'objet de cette délibération consiste à acter ensemble le principe de l'octroi du versement d'une prime pour les agents municipaux qui ont été mobilisés durant la crise Covid. Et par la suite, nous définirons avec les représentants du personnel eh bien, les modalités d'attribution de cette prime. Y a-t-il des souhaits de prise de parole? Donc, qui vote pour? Je vous remercie. Délibération 20-029. Elle concerne le tableau des effectifs dans lequel vous retrouvez aujourd'hui la création d'un poste de rédacteur qui prendra effet au 1er septembre. Et lors de cette prise d'effet au 1er septembre, nous voterons durant le prochain conseil municipal une autre délibération concernant la modification des tableaux des effectifs qui supprimera un poste de rédacteur de première classe, parce que moi j'ai souhaité évidemment que le tableau des effectifs soit inchangé de façon globale par rapport au nombre d'emplois. Donc le rédacteur qui sera recruté donc, sera un rédacteur de classe normale, je ne sais pas comment vous appelez dans la fonction publique territoriale, rédacteur tout court, voilà. Et donc ça viendra en remplacement d'un poste de rédacteur première classe qui disparaîtra des effectifs au 1er septembre et qui était affecté au secrétariat du maire. Voilà. Y a-t-il des prises de parole? Oui, Madame Anotte. Deux remarques. Les trois emplois fonctionnels figurent toujours sur le tableau des effectifs. 218 agents, 40 postes vacants, soit un taux de vacance de 18,50%, ce qui fait un agent sur cinq manque. Quelles sont vos perspectives dans ce domaine? Bien, alors la gestion des effectifs en particulier et la gestion des ressources humaines, vous le savez, sont un point essentiel de la nouvelle municipalité, puisque j'ai eu l'occasion de le dire pendant la campagne, et évidemment cette perspective elle est aujourd'hui concrète. Sachez que j'avais pris l'engagement que ma première action serait à l'endroit des agents municipaux. C'est ce que j'ai fait dès le samedi 4 juillet au matin, puisque j'ai souhaité leur proposer, selon leur disponibilité, selon leurs souhaits, et bien de rencontrer la nouvelle équipe municipale pour évoquer leur situation professionnelle de façon globale. On a eu certains indicateurs effectivement au cours des six dernières années qui ont pu alerter effectivement le climat d'exercice des agents municipaux. Je pense notamment au document unique qui a fait mention de nombreux risques psychosociaux qu'il faut aujourd'hui prendre en compte. C'est la raison aussi pour laquelle j'ai souhaité nommer une conseillère municipale déléguée à la gestion du personnel, à l'administration générale, aux ressources humaines, parce que je pense que c'est un point essentiel et qu'on ne peut pas mettre de côté. Donc Céline Bécard est aujourd'hui élue déléguée à cette tâche et j'en suis ravi. Et donc l'objectif, c'est de remettre à plat non seulement l'organisation des services, mais pas de façon révolutionnaire. On n'est pas là pour tout révolutionner, on est là pour faire évoluer. Et évoluer avec les agents municipaux qui, je l'ai toujours dit,
sont une force pour la ville de Bailleul. Moi, j'ai toujours considéré que la force du service public résidait en l'expertise et en la disponibilité des agents municipaux. Donc moi, je l'ai toujours défendu et je continue à le défendre parce que je crois profondément au service public en général et à la fonction publique territoriale en particulier. Et donc, c'est ce qui mènera la majorité municipale, je suis convaincu avec votre soutien, sur les 6 années pour redonner confiance et pour retrouver un juste équilibre, un juste ordre des répartitions de tâches entre un élu qui est là pour impulser une politique et des agents municipaux qui sont là pour mettre en œuvre cette politique, voire pour l'amender, pour la faire évoluer en fonction de leur expertise et de leurs compétences. Voilà mon point de vue sur l'évolution de l'exercice professionnel au sein de la ville de Bailleul. Donc s'il n'y a plus de prise de parole, je mets aux voix cette délibération. Qui vote pour ? Unanimité. Je passe maintenant la parole à Monsieur Legroix. Oui, pour donc, allô, oui. Alors, donc la délibération 20-025 concerne les contrats d'assurance risque statutaire. Alors, la ville a une obligation d'assurance sur les risques statutaires qui sont liés à l'exercice de ses agents municipaux. Et le but de cette délibération est simplement de faire appel au centre de gestion du Nord afin de mutualiser les contrats. Bon, vous savez que quand on mutualise les choses, en général, on arrive à faire des économies. Et ce serait le cas en l'occurrence. Les risques qui sont encourus sont d'ordre de maladie ordinaire, maternité, paternité, adoption, accident de service, etc. Pour tout cela, je soumets donc à votre approbation cette délibération. Merci. Y a-t-il des souhaits de prise de parole ? Non. Donc, je mets aux voix. Qui vote pour ? Unanimité. Alors, on poursuit les différentes désignations. Il s'agit maintenant de désigner le président et les membres qui représentent le conseil municipal au sein du CHSCT, donc le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Donc je vous propose de nommer présidente du CHSCT Madame Céline Thibault et de nommer comme membre titulaire Monsieur Arnaud Devillet et comme suppléant Madame Sophie Spatola et Monsieur Nicolas Lefebvre. Y a-t-il d'autres candidats ? Donc qui vote pour ? Bravo, je vous remercie. On passe maintenant au comité technique. Le comité technique aborde avec les représentants du personnel évidemment toutes les conditions d'emploi et de déroulement de carrière au sein de la collectivité. Donc cette délibération doit désigner le président et les membres qui vont représenter le conseil municipal. Donc je vous propose, par cohérence aussi, eu égard à sa délégation, de proposer à Céline Thibault d'être présidente et de désigner comme membre titulaire Christophe Legroix et suppléant Gaël Lefebvre et Mathilde Charpentier. Y a-t-il d'autres candidats qui votent pour ? Merci. On continue. C'est un lapsus révélateur. Quoique, bon. Délibération 20-033. C'est une délibération évidemment très importante puisqu'on est en début de mandat. Nous avons pris des engagements forts au niveau de la transition écologique durant la campagne et nous avons souhaité évidemment initier ces engagements de façon très rapide. Et c'est l'objet de cette délibération puisque l'un des engagements qui a été pris dans la campagne, c'est de créer un nouveau parc public boisé en plein cœur de ville, un parc de 5 000 m² qui sera en prolongement du parc Le Grand Grube en lien avec le complexe sportif. Et donc cet aménagement
impactent évidemment des parcelles qui ont été concernées par la délibération 19-023 du 3 avril 2019, telle que mentionnée dans la délibération, qui visait à désaffecter ces parcelles pour ensuite les vendre à des opérateurs privés ou un promoteur immobilier. Donc aujourd'hui, l'engagement de la nouvelle municipalité est total sur cette question. Et l'objet de cette délibération consiste à annuler la délibération dont je viens de parler, de façon à pouvoir lancer très rapidement tous les aménagements nécessaires, notamment au niveau du plan local d'urbanisme intercommunal Habitat, pour préserver le caractère naturel du site et pour poursuivre l'aménagement de ce site dans une perspective de parc public en plein cœur de ville. Voilà. Y a-t-il des souhaits de prise de parole ? Oui. Monsieur Denoche. Deux questions. Nous avions fait l'acquisition de cet espace de façon à permettre aux véhicules de secours et notamment aux sapeurs-pompiers d'accéder dans cette zone. Donc je voulais savoir s'il était prévu que l'accès soit toujours possible pour les véhicules, notamment les camions des sapeurs-pompiers en cas d'incendie. La deuxième question, c'était pour savoir si le festival En Orbite allait pouvoir se poursuivre dans cette zone. Et la troisième question, l'association de tir à l'arc utilise cet espace pour du stationnement. Est-ce que vous allez leur proposer un autre espace ou est-ce que c'est prévu dans ce projet ? Merci. Bien, il est évident que ce projet intégrera toutes les questions liées à la sécurité publique, puisque il serait irresponsable aujourd'hui d'envisager des aménagements qui n'intégreraient pas ces questions de façon prioritaire. Ensuite, par rapport au projet en lui-même, tel que vous l'avez vu ici, l'objet de cette délibération consiste à lancer la réflexion autour de la mise en œuvre de ce nouveau parc en plein cœur de ville. Il y aura évidemment des aménagements qui seront proposés par la suite aux archers, parce que je sais que c'est un sujet qui avait fait beaucoup polémique, notamment au stationnement lorsqu'ils ont leur compétition au parc Le Grand Grube. Donc je ne suis pas là pour préempter la réflexion sur ce projet, mais je pense qu'il sera essentiel évidemment d'avoir cet échange et de proposer des aménagements. Je réfléchis notamment à l'accès par l'allée Pierre de Coubertin pour amener au parc Le Grand Grube, qui est aussi une voie qui permettra d'accéder à l'espace de tir des archers, notamment. Voilà. Oui, monsieur Desplanques. C'est bon, ça marche. Merci, monsieur le maire. Pour le groupe Unip en Bailleul, on soutiendra toujours les projets qui vont dans le bon sens, et notamment ce qui concerne la place de la nature en ville. Et nous nous réjouissons de votre intention de récupérer les parcelles promises à la construction par la majorité précédente. Et de votre intention donc de les aménager en concertation avec tous les acteurs potentiellement concernés, comme vous venez de le préciser. Cependant, nous voulons souligner une certaine forme de déception. En effet, lors de la campagne électorale, vous avez annoncé la création d'un nouveau parc boisé de 5 millions de carrés en cœur de ville. Vous l'avez reprécisé, c'est d'ailleurs ce qui est écrit dans ce projet de délibération. Mais où est la nouveauté ? En fait, il s'agit plutôt d'un aménagement de l'existant. En dehors des quelques mètres carrés gagnés par la probable destruction des bâtiments présents sur ces parcelles, il n'y aura pas de nouveau parc. Les parcelles AC12 et AC10 sont déjà naturalisées, peu attractives, certes, de mauvaise qualité, certes, mais déjà naturelles. Vous allez donc les aménager, c'est très bien. Mais où est l'ambition ? Pourquoi avoir parlé donc de création d'un nouveau parc alors qu'il n'en est rien ? Comme nous, certains de nos concitoyens risquent d'être un peu déçus par cette annonce alléchante mais trompeuse. En réalité, mais il est malheureusement trop tard, pour agrandir ce parc et créer un vrai parc boisé en cœur de ville, il y avait une belle opportunité, mais avec la destruction des anciennes serres, faite par l'équipe précédente, qui a préféré construire des blocs pour gagner de l'argent, cette décision catastrophique empêche donc le cheminement naturel du centre-ville vers le parc Le Grand Grube. L'ultime solution serait d'aller récupérer aujourd'hui une partie des terrains de football pour les rendre à la nature. Vous conviendrez que le bilan écologique d'un terrain de football est bien moindre qu'un vrai parc boisé. Mais est-ce que vous y êtes prêts ? Nous aurions tout à y gagner et vous répondriez, là pour le coup, à une promesse de campagne. Bailleul a besoin de nature, le monde a besoin de nature, mais la nature a besoin de courage et d'ambition politique. Est-ce que vous serez au rendez-vous justement de cet enjeu majeur du XXIe siècle, ou vous contenterez-vous d'effets d'annonce, de demi-mesures, qui sont certes nécessaires, mais finalement assez insuffisantes ?
Dans l'immédiat, nous soutenons évidemment votre projet, mais nous resterons vigilants sur votre politique environnementale pour que les Baillois bénéficient demain réellement et concrètement des bienfaits de la Natureville. Je vous remercie. Bien, juste pour dire que le temps de la campagne est terminé, hein, là on est dans l'exercice d'un conseil municipal donc, pour porter des projets, donc il est totalement incongru aujourd'hui de considérer que la campagne n'est pas terminée. Moi je suis dans une démarche d'intérêt collectif et c'est la raison pour laquelle je porte ce projet. Comme j'ai pu l'expliquer de façon très claire, nous sommes dans une démarche qui est en lien avec le complexe sportif et qui sera associée aussi à un projet à moyen terme de réorganisation de l'ensemble du complexe sportif. J'ai déjà M. Devillet et Mme Galli qui ont rencontré le club de rugby parce qu'aujourd'hui on porte effectivement une réflexion sur la localisation du stade pour le club de rugby, savoir s'il est pertinent de le maintenir rue Mallet-de-Bonne ou si on peut imaginer un regroupement de l'ensemble des activités sportives sur un même site. Donc la perspective de ce parc boisé en plein cœur de ville s'inscrit également, comme je l'ai dit dès le départ, en lien avec une réflexion sur la réorganisation du complexe sportif. D'autres prises de parole? Alors je mets aux voix. Qui vote pour? Merci. On poursuit des désignations. Donc, il s'agit maintenant dans la délibération 20-034 de désigner deux délégués au Conservatoire botanique national de Bailleul. Donc, je propose les candidatures de Mme Marjorie Vandenberg et de Mme Michel Legrand. Y a-t-il d'autres candidats? Alors, qui vote pour? Unanimité. Je passe maintenant la parole à Madame Sophie Spatola, qui est adjointe à l'écologie et à la culture. Alors, la prochaine délibération est présentée dans le cadre de la volonté de la nouvelle municipalité de permettre un accès facilité à l'école de musique, hein, pour laquelle il y a une forte demande, avec la possibilité d'avoir davantage de places et de créneaux. Donc les emplois des collectivités étant normalement pourvus par le recrutement d'agents titulaires de la fonction publique, cette délibération correspond à l'obligation de créer les emplois pour assurer la publication légale de ces de ces créations. Donc sachant qu'il est difficile de trouver des fonctionnaires répondant à toutes les spécialités qui sont recherchées pour l'école municipale de musique, à défaut de candidats fonctionnaires, le recrutement d'agents contractuels pourra être envisagé. Donc vous avez le détail, hein. Il est donc demandé au conseil municipal de créer au 1er septembre 2020 les emplois suivants. Donc un emploi d'assistant d'enseignement artistique à temps non complet, un emploi d'assistant d'enseignement artistique principal de deuxième classe à temps non complet, un emploi d'assistant d'enseignement artistique principal de deuxième classe à temps non complet, un emploi d'assistant d'enseignement artistique à temps non complet et un emploi d'assistant d'enseignement artistique à temps non complet également. Merci Madame Spatola. Y a-t-il des interventions? Je mets au vote. Qui vote pour? Unanimité. Ensuite, je redonne la parole à Madame Spatola pour la délibération 20-036. Même ordre d'idée, hein. Donc, concernant toujours le personnel de l'école municipale de musique, le statut de la fonction publique territoriale permet un certain nombre d'heures de travail, hein, dans l'enseignement artistique, donc ça va de 16 à 20 heures selon le grade. Mais le nombre de professeurs assurant également des cours dans d'autres communes, la multiplicité des employeurs fait que parfois, ben, quand il y a des modifications, on arrive à un dépassement des heures. Donc tout simplement, la loi autorise, hein, ces dépassements, mais la délibération a donc pour objet d'instaurer le système qui permet de rémunérer les heures réalisées au-delà du temps de travail maximal hebdomadaire autorisé. Donc elle permet de pouvoir faire évoluer le nombre d'heures d'enseignement si jamais le besoin s'en faisait sentir. Je vous remercie. Les éventuelles interventions. Alors, qui vote pour? Unanimité.
Nous poursuivons les désignations des représentants du conseil municipal. Donc nous parlons maintenant du centre hospitalier de Bailleul, où la ville peut présenter donc un délégué titulaire et un délégué suppléant. Donc je vous propose ma candidature en qualité de délégué titulaire et celle de Nicolas Lefebvre en qualité de délégué suppléant. Y a-t-il d'autres candidats? Donc qui vote pour cette désignation? Merci. Même raisonnement pour le conseil de vie sociale de l'EHPAD de l'hôpital de Bailleul, pour lequel je vous propose la candidature de Laurence Duret, qui est conseillère municipale déléguée aux seniors notamment, et celle d'Evelyne Loridan, qui est conseillère municipale déléguée à la lutte contre l'isolement et également à l'économie sociale et solidaire notamment. Y a-t-il d'autres candidats? Je mets aux voix. Qui vote pour? Merci. Nous passons maintenant à l'EPSM, pour lequel la ville doit désigner un délégué titulaire et un délégué suppléant. Donc je propose la candidature en qualité de délégué titulaire de Nicolas Lefebvre et la candidature de Sabrina Winkel en délégué suppléante. Y a-t-il d'autres candidats? Oui, Madame Crépel. Beaucoup. Alors, nous sommes un peu surpris que le maire ne soit pas le représentant officiel de la municipalité au conseil de surveillance de l'EPSM. L'EPSM, c'est un institut bailleulois important. Son avenir est toujours lié à des évolutions du contexte à la fois national et régional. Et selon quoi, dans toutes les villes où il y a la présence d'un établissement hospitalier important, c'est généralement, et c'est dans tous les cas, le maire qui est le représentant de la municipalité au sein de l'établissement. Alors, certains peuvent accéder effectivement au conseil par la voie des personnes qualifiées, mais cela n'implique pas forcément que le maire soit le président du conseil, même s'il y siège. Donc, ce message que vous envoyez au personnel de l'EPSM est surprenant et nous interroge. Bien, alors, je vous apporte une réponse de façon très claire. Il ne vous aura pas échappé que je suis également conseiller communautaire, vice-président de la CCFI, que la CCFI désigne également des représentants au conseil de surveillance de l'EPSM et qu'à ce titre, je présenterai évidemment ma candidature. Et il ne nous a pas échappé non plus que Nicolas Lefebvre assure la présidence du conseil de surveillance de l'EPSM depuis 2015, qu'il a évidemment une réelle expertise sur le sujet et je fais évidemment confiance à l'ensemble des élus qui composent la majorité. Donc aujourd'hui, je n'ai aucune raison pour ne pas nommer Nicolas Lefebvre, qui n'est pas conseiller communautaire, au conseil de surveillance de l'EPSM. Voilà la raison qui explique mon choix sur la désignation de ce candidat titulaire. Je mets aux voix. Qui vote pour? Contre? Qui s'abstient? Donc, 4 abstentions. Oui, tout à fait, c'est pour ça que je dis 4 abstentions. Délibération 20-040. Nous avons bientôt fini, allez-y, accrochez-vous. Dernière ligne droite, nous y sommes. Quelques désignations, une délibération sur des emplois dans l'éducation et une autre sur un soutien au commerce. Et puis, vous serez libérés. Merci pour votre attention. Donc, nous ne voterons pas cette délibération, qui est juste une information que je souhaite faire au conseil municipal concernant la composition du conseil d'administration du CCAS, puisque, si vous avez bonne mémoire, nous avions voté lors du conseil municipal d'installation, eh bien, les membres, les administrateurs élus du CCAS. Nous avons eu, depuis le 3 juillet, la démission de Mme Anne Van Lerberg, qui représentait la liste Fière de faire vivre Bailleul au conseil d'administration du CCAS. Donc, nous avions ensuite, sur la liste présentée par Fier de faire vivre Bailleul pour le CA du CCAS, Madame Colette Huss, qui a également présenté sa démission. Donc aujourd'hui, la liste des conseillers municipaux présentée par la liste Fier de faire vivre Bailleul ne présente plus de candidats. Et donc, conformément au texte en vigueur, eh bien, le siège qui est aujourd'hui vacant est pourvu à la liste, donc au groupe politique qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages, et donc c'est Madame Valérie Couture qui siégera désormais
OCA du CCAS. Bienvenue Valérie et rendez-vous demain. Délibération 20-041 qui concerne la désignation du représentant de la ville au conseil d'administration de l'OGEC. Donc je propose de désigner M. Christophe Legroix. Y a-t-il d'autres candidats qui votent pour? Unanimité. Passons maintenant au conseil d'administration du collège Maxime Detz, où la ville doit déléguer trois titulaires et trois suppléants. Donc je propose les candidatures en qualité de délégué titulaire de Valérie Couture, de Gaëlle Lefebvre et de Mathilde Charpentier, et en délégué suppléante de Brigitte Galli, Sophie Spatola et Aurélie Costenoble. Y a-t-il d'autres candidats qui votent pour cette délibération? Délibération 20-043, pour laquelle je passe la parole à Madame Gaëlle Lefebvre. Merci, Monsieur le Maire. Alors, comme évoqué tout à l'heure, il est des services incompressibles sur lesquels il est clairement impossible de faire des économies. Aussi, dans le cadre du plan éducatif territorial, la municipalité a décidé donc de maintenir l'organisation des temps périscolaires. Et pour cela, évidemment, il y a lieu de recruter une nouvelle équipe d'animation et de gestion des différents équipements pour l'année scolaire 2020-2021. Les postes à pourvoir donc, sont décrits dans la délibération et sont donc un poste de coordinateur jeunesse, 3 postes de directeur périscolaire, 30 postes d'animateur périscolaire, 3 agents d'entretien polyvalent et 2 agents spécialisés des écoles maternelles. Donc, il est donc demandé au conseil municipal d'autoriser M. le maire à signer les contrats mais aussi à consacrer le budget nécessaire pour rémunérer la future équipe d'animation. Et évidemment de permettre au maire de créer des emplois pour pouvoir assurer cette année scolaire. Merci. Merci Madame Lefebvre. Des souhaits d'intervention? Non. Donc je mets aux voix. Qui vote pour? Unanimité. Je passe à la dernière délibération de la séance d'aujourd'hui, qui concerne donc un soutien au commerce local. Et je passe la parole à M. Devienne, qui est donc l'adjoint délégué, entre autres, au commerce, au développement économique et aux toutes petites et moyennes entreprises, TPE-PME. Merci, Monsieur le maire, de me donner cette chance de clôturer ce conseil municipal par la dernière délibération, qui est donc la TLPE, donc qui est la taxe locale sur la publicité extérieure. Depuis 2009, on peut appliquer une taxe sur certaines enseignes qui ont une surface ou égale supérieure à 7 mètres carrés, et elle est fixée à 15 euros du mètre carré. Avec le contexte sanitaire, on peut appliquer un abattement si on vote une délibération avant le 1er septembre 2020. Vous le savez, ça a été dit pendant la campagne, la nouvelle équipe municipale est soucieuse d'accompagner les commerçants vu le contexte. Et donc, il est ainsi demandé au conseil municipal d'émettre un avis favorable à un abattement de 15% de cette taxe, qui représente en fait les 55 jours de confinement que les commerçants ont vécu dû à la crise sanitaire. Et ce qui va représenter, cette taxe est applicable à 59 sociétés sur la commune. Merci. Merci, Monsieur Devienne. J'ajoute que cette délibération s'inscrit dans un plan plus global de soutien au commerce local que nous porterons sur les différents mois qui viendront. Nous avons également le souhait de mettre en place un plan pluriannuel d'accompagnement et de développement économique, parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est ce que
que je dis au quotidien, c'est qu'on a une réelle chance à Bailleul, c'est d'avoir une ville qui est très dynamique au niveau de son commerce local. Et quand vous comparez sur certaines villes qui n'ont pas le dynamisme de Bailleul au niveau de l'activité commerciale, eh bien force est de constater que ces villes-là perdent en rayonnement. Et moi, je pense qu'il ne faut pas attendre d'être dans une situation critique avant de nous mobiliser pour accompagner le commerce local. La crise que nous avons vécue a eu évidemment un impact très fort sur les activités de nos commerces. Et donc, c'est une première étape sur l'abattement de 15% pour la taxe locale sur la publicité extérieure. Il y en aura d'autres, puisque nous travaillons dès maintenant pour présenter, lors du conseil municipal de la rentrée, eh bien, une exonération sur la taxe sur l'occupation du domaine public pour les terrasses, par exemple, que nous inscrivons également dans une démarche complémentaire à celle de la CCFI, puisque nous avons voté lundi soir une délibération qui permet de prendre en charge pour la CCFI un tiers de la contribution foncière des entreprises pour les entreprises de notre territoire, ce qui est évidemment un soutien très important. Donc sur un mécanisme où un tiers de la CFE est pris en charge par la CCFI, un tiers par l'État, et le dernier tiers reste à charge des entreprises. Pour vous dire aussi que pour avoir échangé avec beaucoup d'entreprises de notre territoire, elles sont aujourd'hui beaucoup plus enclines à avoir des déductions de charges plutôt que des aides directes, et elles sont aussi favorables à l'idée que la ville puisse les accompagner dans l'augmentation de leur chiffre d'affaires à travers de l'événementiel. Donc c'est aussi un élément que l'on prendra en compte par rapport à la définition de ce plan pluriannuel d'accompagnement et de développement économique qui, pour nous, est au cœur de l'action municipale. Y a-t-il des souhaits de prise de parole ? Donc je mets aux voix cette délibération. Qui vote pour ? Unanimité. Donc avant de vous libérer, je voulais vous remercier évidemment, vous dire que je mettrai à la connaissance du conseil municipal et nous adopterons au cours de la prochaine séance les décisions municipales et les deux procès-verbaux des derniers conseils municipaux qui ne sont pas encore totalement rédigés. Comme ça, nous évoquerons ça en début de prochain conseil municipal. Et puis, je voulais vous remercier pour votre présence et pour votre efficacité, parce que je pense qu'avoir un ordre du jour avec 28 points inscrits et le traiter en 2h30, c'est une véritable performance. Donc merci à vous, et j'espère que nous garderons autant de dynamisme et autant d'efficacité sur la gestion des séances de conseil municipal. Merci et bonnes vacances pour ceux qui en prennent.